The lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just the false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me everywhere I try to go alone. I find you there. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. Qu'il est fort probable que la nouvelle collection Mano arrive jeudi, avec un hoodie à capuche, un crevrap et un bonnet. Jeudi peut-être. Je dis ça et je dis rien. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, those that exist, probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining, all I wanna do is avoid the violence. Put your hair again, I'm losing it. Trying to find a silver lining. There's no more screaming and silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Follow me anywhere.
Je voudrais pas vous spoiler, mais dans cette nouvelle saison, Miguel est un homme neuf qui fait exclusivement de la politique. Il ne tape plus sur personne. Ou pas. D'ailleurs, au passage, peut-être que jeudi, il y a une nouvelle collection Manon. Je ne voudrais pas vous en dire trop d'avance. Peut-être un hoodies, peut-être un pull hyper stylé, et en plus un bonnet, soit trois articles. Et aussi la BD Midel qui sort le 10 février. C'est la fête. Ah, puis dans cette saison, Miguel... D'ailleurs, merci Hugo pour le resub, merci à Delmas pour le resub 27e mois, merci à Axe Soryu, 9e mois, merci à toi, merci à Giz, 4e mois, merci à Toussa, 10e mois, merci à Vince, merci à Gérard, c'est un resub, merci à Hazardanos, c'est un resub. Votez Miguel. À la Mano, nous n'en tuerons plus personne. Merci Lynn, c'est un resub. Merci Neren, c'est un resub. Merci Dag, c'est un resub. Merci Schizo, c'est un sub. Merci Mitch, c'est un resub. Merci Volger Blaze, c'est 10 subs pour la communauté. Waha, c'est génial. Et merci Cerdo, c'est un resub. Merci Archive, 14e mois, c'est un resub. Je suis tellement au taquet. En plus, je vous ai rien prévu. Kazor, 2e mois, merci. Air Cheval, c'est un resub. Greg Furious, 5 subs. Saren, 5 subs. Une brave bête, c'est un resub. Gérard, 258. Flaviac, c'est un resub. Harry Dream, c'est un resub. Barbastien, c'est un resub. Jenny, c'est un resub. Raquel, Raclet TV, c'est un resub. C'est la folie, hein. Waouh. Castorki, c'est un resub. Zotek, c'est un resub. Splash, c'est un resub. Pollux, c'est un resub. Orsica, bienvenue. Delbas, 300 bits. Sam Gab, 5 subs. Ramcraft, c'est un resub. Joav, c'est un resub. Matt Wilson, un sub. Elriri, c'est un resub. Zotek, c'est un 10 sub offert. Léodras, resub. La fleur, c'est un resub. Gérard Penuel, 258. Xenorces, resub. Décrypton, 10 sub. Max, 3e mois, resub. Dolito Studio, 5 sub. Non, 5e mois, resub. Zveyor, youhou, 5 sub. Qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est incroyable. 340% du train, je suis un homme qui est content. Ling Song, 5 sub. Je suis tellement, on m'appelle la joie. La joie de vivre, Chaka, resub. En plus, je suis déçu, je n'ai rien pour vous contenter, je n'ai rien préparé. LTO, 16e mois. Sub Delbas, 300 bits, reste 2 minutes de train. C'est long, 2 minutes. S-Boubance, 9e mois. Sacha, resub. Georges, resub. Schtroumpf, resub.
reste 1 minute 55. C'est long, 1 minute 55. Tidus. Wouhou, offre un sub. Crevette. Wouhou, offre un sub. Silentine, au sub. Seir. Au sub. Crips. Bits. Alisa. Wouhou. 5 sub. Sintao. 8 bits. Beaucoup de bits. Mandalore. Au sub. Red Coco. Au sub. Azenti. Au sub. Lima. 100 bits. Sarah. 5e mois. Dark Monster. Wouhou. 10 sub. Perium. 4e mois. Re-sub. S26 secondes. 575%. Je vous aime tellement. Vous êtes la communauté en or. La meilleure. Je suis déçu de rien vous avoir préparé aujourd'hui. Swogo. 8e mois. Delbas 400 bits, Krakoukas 100 bits, Toinou 6e mois, Sifros 8e mois. Vous avez complètement pété le niveau 5 à plus de 600%. Et moi j'ai rien pour vous, je vous ai rien préparé. Quelle déception. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix.
Hermano, hermano, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, yes. Oui, c'est vraiment de la merde à piloter, c'est prendre tous les turbulences dans les culs. Un ULM, c'est pas ouf, monsieur Miguel. Pas atterri pour l'instant. Et vous êtes où? Ah, la villa. Ah, il attend des zombies car, non. Allez, zombie car ou villa? Villa, pour 5 personnes. Et nous, zombie car pour vendre la Wolfsbane de Ben, on va pas tarder à décaler. Très bien, bon, dans l'ordre. J'ai fait une péripétie au-dessus du zombie car. Une fois que j'ai fait le péripétie, j'ai fait demi-tour jusqu'à la villa. J'atterris à la villa. Despues, et j'essaye de pas me cracher parce que c'est vraiment de la merde. C'était clairement pas une bonne idée de décoller avec ça. C'est un grand homme. Il fallait me le dire, Miguel, je t'aurais dit, ouais. J'ai, oui, piloté. Vous souhaitez pas plutôt vous poser à l'aéroport de Sandy Shore et Kim vous récupère? Ça sera peut-être plus facile que la pelouse de la villa. Miguel, est-ce que tu veux qu'on prépare la chaise? Le fauteuil roulant, si tu veux, il est prêt. Miguel, dis-nous quand t'es au-dessus du zombie, on regarde. On fera du haut des minutes. Un arbre! Où ça? Devant l'ULM! Il a traversé sans rien demander. Dis-moi-le, on va le descendre. Attention, je vais arriver et. Ça, c'est vraiment de la merde. Ça fait des pas des côtés des 4 à 5 mètres cette merde. Essaye pas d'atterrir sur la route par attention, contre. Attention, et passage au niveau du zombie car dans pas longtemps. Bon, on te voit. Let's go, Miguel. Attention, je fais les pirouettes. Oh. C'est tellement de la merde. Oh. Et ça tournait pas. Je voulais faire les pirouettes, mais ça tourne pas des masses. Tu plonges là, attention, remonte. Mais, j'arrive pas à redresser. Ah, ah. Oh, non, non, redresse. Non. Miguel. Nickel, pilote. Allez, c'est là, il est là. Pilote. Il est là, il est en l'air. Ça fait surtout des putains d'embardés des 3-4 mètres. Tu vas à la villa direct du coup, Miguel, on te rejoint là-bas? Bien entendu, je me pose nickel à la villa. Ok. Ça c'est s'il reste de l'essence, nickel. À notre aimable clientèle que dans la saison 5, je le répète, Lamano devient respectable et fait uniquement de la politique. Ils n'ont plus jamais de coups de feu, plus d'enlèvements, plus de meurtres. Lamano devient les Lost. Voilà, fin de synopsis. Bonne série à tous. Erreur radio. Re Hannibal. Montez, hein. Quand je dis les Lost, j'aurais pu dire les Verts ou tout autre groupe autre que la Mano dans cette ville. Ramano, Pablo de contrôle. Vas-y. Oui, c'est pour indiquer qu'un ULM va arriver au-dessus de vous. Merci de ne pas tirer dessus et de faire le trou. Très bien, on ne l'abat pas. Nickel, les patrons sont à l'intérieur.
Il risque de s'abattre tout seul du coup, c'est ça? Déjà il faut que j'arrive à déposer, je sais pas où. Vous l'avez bien fait avec un dodo, monsieur Miguel. Que le dodo il a fait boum, non? J'étais au décollage. Il y a quand même vachement court des pistes, non? Bah, va falloir que tu freines fort, quoi. Ça passe, ça passe. Alors, je t'explique que par rapport à un dodo, l'ULM ne freine pas, première nouvelle. Il ne freine pas, il plane, mais il ne ralentit pas. Au pire, tu sautes en parachute, non? J'ai envie de dire, mes gueules, pour faire des trucs de dingue, faut tenter. Deuxième nouvelle, et ça ne tourne pas non plus. C'est très compliqué, là. Et sinon, je suis même pas sûr que c'est prévu pour que quelqu'un s'en occupe de ça, mais bon. Écoutez, je vais faire ce que aucun homme avant moi n'a fait. Mourir avec dignité. Quand tu vises la piscine, faites gaffe. Ça tourne pas ! Oh ! Jamais j'atterris là ! Vite, Kim ! Miguel, vas-y Miguel ! Non, première approche n'était pas la bonne. Je retente. Que lors de la saison 5, il n'y a qu'un seul épisode qui dure environ 23 minutes. Il reste environ donc 30 secondes d'épisode. Après, il n'y a plus de série Miguel. Bonne soirée. Non, en fait, c'est faux. Après, on découvre son enfance dans les favelas de Mexique. Et ensuite, on revient à la réalité. Il n'était pas vraiment mort. Il a refait 7 ans de coma. C'est son frère. Là, il faut remettre bon, les gaz par contre. Les deuxièmes essais, puis du coup aussi, je recommence. Vous pouvez vous poser sur le toit, hein, sinon. Sinon, si t'arrives par au-dessus de la piscine. Mais je t'assure que c'est vraiment de la merde ce truc. Eh ben, si t'essayes au niveau du jardin Z, là, t'as pas une grande piste. Il y a plein de petites bites en travers aussi, là. Tu sais que tu traites des petites bites? Mais non, mais pas toi, Miguel. Petite lampe, là, qui font office de lampadaire. De toute façon, elle va arriver à court des kérosènes, va falloir que j'efface un essai. Vous avez pas un parachute au cas où, monsieur Miguel? Moi aussi j'ai entendu le petit beat de la part de Ben. J'arrive trop vite et ça va trop vite. Et ça va beaucoup trop vite cette merde. Oh, eh, saute en parachute hein. Est-ce que je vous ai appris que dans l'adversité on prend la facilité? J'en ai conduit des trucs hein. Et normalement je pilote pas trop mal. Mais alors l'ULM, quelle belle merde. Quelle belle idée de merde encore! Ça ne tourne pas. Ça ne freine pas. Le problème, c'est que là, ça va pas tourner. Là, ça va pas tourner du cul, là. Là, on prend un arbre, là! Passe, on pose les roues, là. Ah bah là, il faut plus poser, là. Mais la 17ème est... De toute façon, je pense que je peux faire deux fois les... Voilà. Mais quelle belle merde! Je pense qu'il faut y aller cash. Ouais, faut que tu te poses cash. Alors, les problèmes, c'est pas d'y aller cash, c'est l'hôpital qui va derrière. Bah, peut-être y penser, oui. Et apparemment, on a une soirée chargée. Pilote. Nickel.
Ça tombe bien, une fois que c'est posé, par contre. Mais... Décollé. Oh non. Une note. Oh, oh non. Mais non, Miguel. Mais non, Miguel. Oh là là. Mais putain, j'essaie de pousser le truc là, j'arrive pas là. Mais pas comme putain, ça. C'était si bien joué. Oh non. Mais non, sérieux. Oh, mais bon, pas ce que t'as fait. Pas comme ça, Zinedine. Oh l'enfer. Bon bah faut appeler les EMS quoi. C'est fait. Oh. C'est une blague, c'est pas possible. T'étais presque un 10 sur 10 là. Oh là là. Ben, ils étaient pas encore à l'arrêt les... Voilà, je pose ça là, hein, l'air de rien. C'est quoi ouais. Hop. Attends, mais faut compresser le bras à gauche là. Tu me dis si tu veux des mouchoirs, des compresses. Ouais, vas-y, ramène un tissu propre. J'arrive. Ta taille, elle est profonde. Il avait presque tout fait parfaitement. C'était, ouais. On a pas gagné de prix. Ouh. Attention, Jim. Tiens, Nivel. Qui c'est qui gère les vagues? C'est bon? J'en ai assez. C'est bon, j'en ai assez. Il demande la boîte, où elle est où? Il demande, elle est où la pose, par contre? Je sais même pas si ça avait été avancé. La diarrhée, c'est antibio. Parce qu'il faut Pablo. Ouais. Tu me dis si tu veux aller en chercher d'autres. Hein. On a Rodin dans la part, je pense. Ouais, on a fait le plein. Pablo, il y a tout. Ça devrait aller, sauf si les EMS mettent beaucoup de temps, parce que là, c'est imbibé de sang. Ouais, dans le douche, je t'en cherchais d'autres. Est-ce qu'il y a un monde où il perd la mémoire? Pas de malheur, s'il te plaît, Mike. Pas le moment, Mike. Alors, je rigole, le sac à main. Ça va le faire, je crois, lui, il a connu pire. Il a connu mieux aussi, quand même. J'ai pris le drap en chez là, tiens. C'est jeune. Ouais, c'est... ça saigne. J'hésite à le faire péter le truc pour la peine. Alors, pas dans l'herbe. Voilà. Bah, ouais, il faut qu'on essaye de le sortir là-bas et boum. Non, on n'y touche plus, hein, c'est fini, personne touche à cette chose. Je me demande comment papy fait et toujours en vie avec. Hein. Non, mais alors je te rassure, papy il fait pas, je lui ai pas racheté là. Donc, il a craché? Oui, il a encore craché, oui. D'accord. Oui, donc il m'a dit encore, je dis non. Non, c'est non. Non, c'est non. C'est bon, ça fait deux. Ouais. Ça coûte combien ça? 40 000 balles. 40, ouais. J'ai... par contre, comment on le ressort de la villa? Laisse-le là, c'est très bien. Je pense que le jardinier va le prendre. Il va aller faire un tour avec. Ouais, voilà, il va tourner la pose avec. Non, bah, ça... on va appeler une dépanneuse. Ouais. On peut faire ça. Attends, je vais envoyer un message au Bénise. Alors, Bénise. Ah, il l'a peut-être acheté, Miguel, hein. C'était peut-être à lui. Bah, ouais. Putain, il se touche le sgeg, les EMS ou quoi, là? Je vois pas pourquoi vous voulez le virer, on sait même pas si c'est à lui ou pas. On n'a jamais viré les hélicos qui ramenaient, hein.
Donc, range ton téléphone. On sait pas si c'est à lui, on sait pas s'il l'a acheté. Non, non, c'est pas, mais c'est moi, je me demande juste comment on va le sortir de la ville en fait. Est-ce que là, tu veux le faire décoller le bordel? Bah, pour le moment, il va rester là. Et... Oui, bon. Je vais à l'entrée, je vais les faire rentrer direct. Pas non, vas-y, temps. Vas-y. Alors, c'est deux fois qu'on appelle. Ah, déconne ! Bon, alors. D'accord. Pour être sûr que c'est bien chez lui. L'atterrissage était plutôt stylé. Oui. Est-ce que la zone est safe ? D'accord. Je crois que. Ouais, j'avais pas vu la palette. Oh non, vous pouvez rentrer directement. Sous ce qui arrive. Vous pouvez rentrer directement. C'est vraiment un accident du LF. Vous pour demandez, le vous donc, aussi, comment. Ils peuvent même venir en hélico. Comment on peut être à la fois aussi doué et autant en abruti ? Moi aussi, je me pose la question. Voilà. Je me demandais si c'était vraiment ça la cause. L'atterrissage. Non, parce que, je sais qu'à Aaron, plusieurs était fois, cool, après, hein, je pense que vous en pensez, c'était un bon atterrissage. Là, est-ce que je peux rentrer chez la gestion vous, de la pale. Oui, c'était bien, pas du tout. Bah, vous allez bien, vous? Alors, si, pendant qu'on attend tout ça, cette semaine, il y a moins de live en journée, je suis désolé. Entre les. Entre les. Comment ça s'appelle? Entre la préparation de la BD Miguel qui sortira le 10 février, mesdames et messieurs, la nouvelle collection Mano qui arrive avec deux pulls et un bonnet jeudi. Les différents projets, Miguel la série, Miguel le bus, Clic le bus, Miguel la série. Bref, ça fait vraiment beaucoup de choses. Résultat, les matins de cette semaine, je suis blindé. J'ai aussi beaucoup en février de garde-pompier. C'est des choses comme ça, on le sait. Voilà. C'était pas volontaire. Bah non, pas du tout. Je suis con. Bref, ne vous inquiétez pas. Vive Instagram. Vive le RP. Je continue à maintenir le. Je vous aime, vous êtes la best commu ever. Et il y aura aussi les lives qui font peur. Mais ça arrive. Merci. Monsieur. Ah. Et à 5000 subs, on fait un bus qui fait le tour de France. Ah, je vais déjà donner votre temps pour vous relever. Et à 5500, on fait Miguel la série à la télé. On va peut-être déjà donner le tableau. Exactement. J'espère que dans l'imaginaire où on raconterait un jour son histoire dans un livre, on va essayer d'omettre cette partie-là de sa vie. Ce serait mieux. Voilà, monsieur. Ça va, comment souhaitez-vous? Oui, oui. Il parle plus? Ouais. Miguel? Monsieur, je vous entends pas. Moi aussi, je vous entends bien. Ah. D'accord. Je vais vous saigner un peu. Vous pouvez me dire où sont, se situent vos douleurs, les plus importantes? Oui, je peux vous dire ça. Vous voulez maintenant? Ou on peut le faire dans les. Non, dans l'ambulance, si vous le sentez. Oui, d'accord. Un instant. Est-ce qu'il est ici? Ah, je l'ai. Mieux chanter pour les débiles. Je suis malade. Complètement malade. Comme ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir, je suis malade, docteur, parfaitement malade. Je crois que j'ai pris une balle du LM. Heureusement, je crois que je suis pas mort. Ou alors, c'est joli ici quand même, c'est une très belle villa. En avant, on disait que c'était une petite tiny house. D'accord. Est-ce que vous vous sentez en état de marcher? Oui. Alors, vas-y. Vous avez... Hop. Hé, hey, docteur. Hop. Ouais. Vous checkerez sa température aussi. Qu'est-ce que tu fais? Hop. Sur... D'accord. Hop. Ah, vraiment un slalom? Hop. Ouais, c'est ça. Hop. Ouais, ouais. Ça va, Miguel? Hop. Hop. Bah, hop, fais gaffe, ça tombera là. Et on fait une deuxième tour et on peut retourner les cerveaux. Non, non, mais. Non, mais pas l'hôpital. Allez, allez, non, pas l'hôpital. Non, pas l'hôpital. Monsieur Miguel, si vous voulez passer le sang là. Vous êtes sûr? On va bien s'occuper de vous. Mais oui, il y a des gens qui disent que chez vous on attrape les chez Kungunya. Mais non, c'est. Juste une question avant. C'est le tien ou pas, Miguel? Savoir ce qu'on en fait. Ah non, 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 c'est pas le mien. Mais c'est joli, c'est un peu de la merde, mais c'est sympa. Ok, bon, on s'en occupe. Bon. Et... Allez. Oh bon, on peut le faire exploser. Adieu. Cool. Restez pas sur la pelouse alors. Mais pourquoi il fait exploser mon ULM?
Vous êtes sûr qu'il faut aller à l'hôpital? On peut pas faire deux points de suture sur place? Mais on va mourir si on bouge. Non. Ah, malheureusement, ça risque d'être un peu compliqué. Trois points de suture sur place? Je sais pas si... Bah, vous avez eu apparemment quand même un accident assez conséquent. Je sens la dinguerie quand même. Ce n'est qu'annulé, mais... Vous savez que nombre de gens ont tenté de me tuer, beaucoup plus important qu'annulé, mais... Oh, j'imagine. Ça va... Je reviens avec impatience. Ça va coûter dans les combien d'ITT, ça? Écoutez, on va déjà faire des radios, des analyses et voir votre état de santé. Docteur a vu des pifs. Pardon? A vu des pifs. Je dirais peut-être, je sais pas, peut-être 10 heures, allez. Peut-être. Quoi? Combien? Peut-être, faut voir. Peut-être combien? Combien vous avez dit? Ben je sais pas, vous avez l'air quand même d'être bien blessé, monsieur. Ah Miguel. 10 heures qu'il a dit. Comment ça 10 heures? Il dit c'est un accident grave, 10 heures. Il est 21h18, il mais est toujours, toujours plus avec tu vois pourquoi je veux pas aller à l'hôpital même quand je suis malade. Ouais, je comprends. Toujours plus 10 heures pour un petit accident ni rien du tout, je suis même pas tout va bien. Ouais. Bon, je pisse le sang mais tout va bien. Ouais, une petite Eh, franchement, c'est triste quand même, hein, parce que l'atterrissage était nickel. Ouais, je sais. Par contre, après, ouais, je pense que c'est l'euphorie qui a pris le dessus. Là, il va me coucher dans un lit, il va me laisser, putain. Ah merde. Je sais, il va me garder. On vient de chercher. Après, il y a deux bouffons, allez voir. Pour votre santé. Il dit que c'est pour ma santé, et... il continue. Oui, 10 heures, c'est bien, il est devant, il croit que je t'en parle. Il dit, ah oui, c'est pour votre santé, monsieur. Mais je sais on arrive, Miguel. Alors que moi, il faut que je lui explique que ce soir, j'ai des choses à faire. Comment je fais des choses si j'ai... Vu qu'on a pas le trap. J'ai mal trapé. Oui, je vais lui dire qu'on a pas le trapé. Ah oui, oui. C'est compliqué s'il y a 10 heures, tu vois. 10 heures, c'est beaucoup. 10 heures. Ouais. 6 heures, c'est beaucoup. 3 heures, c'est beaucoup. Ouais. 30 minutes. 30 minutes, c'est bien. Bon, je tente la négociation par l'absurde, je te rappelle. Allez, ça marche. Allez, docteur, 2 minutes et n'en parlez plus. 2 minutes? Ah, toujours plus. Voilà, monsieur, vous pouvez sortir. Vous sentez toujours à marcher? Oui, c'est bon, ça a marché, c'est peu. Ouais. Sauter? Non, je veux pas. Non, ça, on va peut-être éviter tout de suite. Là que je vais prendre. Au passage, je crois qu'on arrive au record de sub de cette chaîne. Je vous invite à je crois que c'est 5100. Je vais vous aider. Je suis pas impotent, je suis encore. J'ai mal un peu au torse là où j'ai bouffé, mais plus que les peurs que de mal, je pense. Mais bon, c'est vous les docteurs, c'est pas moi. D'accord. Vous demandez aussi de retirer vos accessoires. Ah, j'ai cru que vous vouliez que j'ai retiré les slippés. Ah, non, mais dans la. Dans l'IRM, ça va pas bien passer. Mais je vais vous dire, c'est pas possible. Non, ça vous pouvez garder. Voilà, je vous passe les bouchons noirs. Vous avez toujours pas une zone plus douloureuse que l'autre? Un peu au niveau de là où c'est coupé, au niveau du torse, mais pas des, c'est pas insurmontable. Hein. D'accord, ok. Écoutez, je vais faire un IRM. S'il y a le moindre souci, n'hésite pas à parler un peu plus fort. Et je merci Kéa pour les 10, merci à toi. Pas les soucis, docteur. Les bouchons d'oreille. 6 sous Léo, merci à toi pour le sub. Merci à Zabil, 12e mois parmi nous. Merci à Charcor, 12e mois parmi nous. Merci à Psycho, 3e mois parmi nous. Merci à vous. Vous êtes the best commu ever.
surprise pour vous qu'arrivent des belles, des fortes, que dis-je. Ah, elle met toujours plus. Vous avez vu que ma nouvelle passion maintenant, c'est changer les titres des lives. Ma fille qui vient de déposer 12,95€ en petite pièce pour que je commande la BD. Oh gros, elle achète lui en deux. Plus un pull mano. La base. Oh merde, vous revenez à deux. Ça sent pas bon, ça. Non, non, y a pas de soucis. Mais ah si, ça sent bon, mais ça sent pas bon. Mais quand vous revenez à deux, souvent, c'est que c'est très gravé. Non, 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 à l'IRM, il y a déjà pas de lésion au niveau de la chaîne nerveuse. Par contre, on a détecté à l'IRM que l'éclat métallique que vous avez dans le bras a tailladé une veine dans votre biceps. Donc il va falloir qu'on aille juste suturer la veine en chirurgie. Vous avez également des brûlures au second degré sur le torse. Donc on va juste aller en chirurgie également pour vous appliquer les tuluras et retirer les petits bouts de peau calcinés. Puis ça sera tout bon. Et tout va bien se passer, vos jours sont pas en danger. Nickel! Allez, je vais chercher un brancard et on va vous transférer. Oui, mais attendez, c'est bon, je peux marcher. Vous pouvez marcher? Oui, okay. Oui. Eh ben, je vous invite à me suivre. Est-ce que vous souhaitez que je vous rhabille le temps d'aller jusqu'à la chirurgie? Non, non. Allez, on y va alors. Il y a votre femme qui attend. Ah, le oui, ils m'ont trouvé des blessures là où j'en avais pas. C'est des génies. Ah, ils t'ont trouvé des blessures où? Sur le bras gauche? Non, non, sur les bras, mais tout va bien. Et. Ah. Ah ouais, bon. C'est parce que Hannibal a dit que t'avais le bras en sang. Ah bah c'est gauche. Bon, je sais pas, ils ont trouvé plein de trucs, c'est rien. Bon, je vais en chirurgie et je reviens à 17h. Bisous. Ok. Non, pas 17h. C'est votre collègue, il a dit 10h. Non, non, non. Vous savez, je suis pas inquiet. Je pense qu'il faut à un moment donné et laisser les médecins faire le travail. Oui, et puis nous, on le fait consciencieusement aussi. Et puis on essaye de pas, comment dire, de pas accabler les gens. C'est pas le but. Hop. Alors. Du coup, c'était quel bras que tu m'avais dit qu'il y avait des saignements Le bras droit. Bras droit, ok. Hop. Du coup, tout ça est relativement bénin quand même, monsieur Collins. Donc, on va pouvoir faire en anesthésie locale. Ça permettra vous de suivre ce qu'on fait. Et puis, ça évitera de surtout trop solliciter vos reins avec une anesthésie générale. Hop, allez, je vais vous anesthésier déjà le bras droit en piquant près du ganglion nerveux, ça va permettre d'anesthésier rapidement. Voilà, on va quand même vous installer des petites bâches opératoires pour éviter
quand même que vous voyez tout. Voilà, je fais tomber la petite bâche au niveau de votre gorge. Voilà. Parfait. Et vous n'hésitez pas à dire s'il y a quoi que ce soit qui va pas. Si vous sentez nauséeux, ça peut être normal. C'est avec l'anesthésie. Vous m'avez mis quoi comme médicament ? Évidemment pas à base morphinique. Hein, c'est. Est-ce que je me sens pas bien ? Vous m'avez mis la morphine, docteur ? Non. C'est. Vous avez dit morphine ? Non, pas à base de morphine. C'est oxycodone. Vous êtes sûr ? Oui, sûr, 100%. Oui. J'ai bien consulté votre dossier avant de vous inquiéter. Je suis allergique, vous inquiétez pas. Oui, je sais. J'ai bien regardé votre dossier avant de vous faire, vous inquiétez pas. Vous êtes en très bonne main, vous pouvez vous détendre, ça va bien se passer. Je me détends pas trop, vous dites que vous m'avez donné la morphine. Non, pas à base de morphine. Si vous inquiétez ça, pas, non. Tout va bien se passer. Allez, je te laisse lui mettre sa perfusion sur le bras gauche, et c'est voilà. Constante, voilà. Allez, concentrez-vous sur le bip-bip, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis quand même inquiété, oui. Non, vous inquiétez pas. Vous essayez de me tuer ? Non, loin de moi cette idée. Ah non. Je tiens à tous mes patients. Hop, voilà. Allez, tu peux venir de ce côté-là. Jacques ? Oui. Voilà. On va laisser le bandage compressif sur le bras pour l'instant. On va s'occuper du torse de monsieur. Voilà, on va appliquer des tulles gras. On va désinfecter abondamment aussi. Toute la zone du torse. Parfait. Hop, et on va pouvoir bander l'ensemble. Voilà, je bande bien. Parfait. Quand vous dites je bande bien. Oui, je mets des bandages quoi. D'accord, ok. Non, je ne vois pas votre tête ni votre zizi. Vous êtes là, vous me dites je bande bien. Et Non, vous inquiétez pas, j'applique bien les bandages. Ouais, non, mais c'est bon. Petit défaut de langage de ma part, oui. Voilà, et puis on va pouvoir s'occuper de votre bras. Voilà, je vais défaire le bandage compressif. On va pouvoir prendre l'aspiration et l'eau désoxygénée, m'aider à ce qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Installe. Le petit écarteur, et puis on va aller chercher la veine pour juste la suturer et mettre un manchon dessus. Voilà. En fait, si tu peux juste desserrer un peu plus l'écarteur. Parfait, merci. Hop, vas-y, aspire bien là. Ouais. Nickel, okay. Tout va bien, monsieur Collins ? Oui. Ok, parfait. Voilà. Allez, je vais suturer. Hop, au fil résorbable. 3 points suffiront. C'était une toute petite entaille, mais relativement profonde. Parfait. L'éclat métallique n'est pas resté. Et on va pouvoir appliquer le manchon pour bien imperméabiliser les sutures. Nickel. Parfait. Allez, tu peux juste bien rincer pour être sûr qu'il n'y ait plus de saignement. Ouais, voilà. Parfait, allez, je vais reprendre du fil. On va suturer le biceps avec 3 points également. Et c'est presque terminé, monsieur Collins. Voilà. Hop, et je change de fil. Je passe sur du non résorbable pour l'épiderme. Parfait. Et 4 points sur l'épiderme. Parfait, allez, je rince. J'essuie la suture avec une compresse humide pour pas que ça croûte et que les fils soient faciles à retirer demain. Hop, parfait. Et je mets une compresse sèche et je bande à nouveau. Encore une fois, j'applique bien les bandages, oui. Voilà. Et c'est tout bon. Parfait. Allez, j'essuie le bras de monsieur. Hop, nickel, et on va pouvoir retirer la bâche opératoire, je te laisse lui retirer les constantes et la perfusion. Et voilà, vous voyez, c'est tout fini, monsieur Collins. Ah, je vous laisse vous relever, faites attention, vous risquez d'être légèrement groggy avec la sédation. Je suis moitié endormi. Ouais, ça fait, malgré que ce soit en local, ça tape toujours un peu. Hop, je vais vous soigner.
t'as bien fait, merci. Voilà, parfait. Du coup, bon bah le torse, ça va pas trop vous gêner, c'est plus les sutures au niveau du bras, on va éviter de trop solliciter. Du coup, vous évitez le port de charge lourde et la conduite, et ça sera tout bon. Vous pouvez courir, sauter, ça, il n'y a pas de contre-indication. D'accord, monsieur Collins ? Pas de soucis. Et on se voit dans 6 heures pour la visite de contrôle, d'accord ? Dans 6 heures, visite de contrôle. Voilà. Allez, pas de soucis. Hop, je vais vous aider à vous habiller peut-être ? Ah oui, les habits ! Oui, ça sera mieux quand même. Allez, on vous les a transférés ici. Je vais vous aider à vous habiller. On va commencer par le pantalon et les chaussures. Je vous les lasse bien. Et le haut. Parfait. Et je vous raccompagne dans le hall. Il y a votre femme qui vous attend. Merci, impeccable. Hop, vous voyez, tout s'est bien passé. Oui, qu'est-ce que je ne peux pas faire pendant 6 heures ? Conduire et le port de charge lourde. Ah bon ? Conduire, je peux pas ? Non, ça va être compliqué avec votre biceps, de la suture sur la veine, ça serait bête qu'elle craque. Biceps droit en plus, celui qui fait le levier de vitesse, donc ouais. J'imagine. Merci à vous, docteur. Il n'y a pas de souci. Merci, à bientôt. À dans 6 heures, à bientôt. Bah oui, 6 heures quand même. Pas conduire, pas des charges lourdes, pas des... Yes. Il vient de sortir 6 heures du TT. Quel. Bon, allez, je vais me changer. Ah oui, il faut aller voter. Parce que sinon après on est en fédéral, donc on a plus... Pourquoi après on est en fédéral ? Bah parce que généralement, après, enfin, dès que c'est les élections, si on vote pas le premier jour, on est en fédéral. C'est vrai que vu comme ça. Bon, il faut juste que je me change. C'est con parce que j'ai l'impression que l'atterrissage était nickel. Il n'y a pas vu, monsieur Miguel, la voiture j'ai de Pablo. J'ai pas vu c'était putain de Népal. Comment ça, la voiture de Pablo? Qu'est-ce que c'est que ça? Batman? On lui a fait un petit cadeau. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Pablo Mobile. Mais c'est quoi la marque de ça? Vision. C'est quoi? La Vision. La Vision. C'est une Vision. Mais vous avez pris les sous d'équipe pour lui offrir? Les nôtres, nous tous. On a tous mis pour lui offrir. Très bien. Les comptables de la Mano roulent en Vision. Ça vaut pas 2 millions? Si. Si, je l'aurais dit, mais... T'as vu Pablo qui t'aimait? J'ai jamais dit le contraire. Toi qui m'as dit l'autre jour, on a quand même qu'une belle bande de demeurés, si avec moi je garderais que ta femme et j'abattrais les autres. J'ai dit qu'une belle bande d'enculés. Je modifie, c'est j'ai dit une belle bande d'enculés. Pardon. Mais ça, j'étais ça, ouais, c'est ça. J'ai refait tes mots, Pablo, j'ai refait tes mots. Nickel! Bon, allez, je vais m'habiller. Et on va router. Mais attends, je remonte du coup. Je vais mettre ma ceinture quand même. Je t'emmène dans une boutique de quoi? Ou tu veux rentrer bien là? Non, boutique, voilà, boutique. Je vais à la boutique la plus proche avec ma femme. Je devais voir Hook ce soir, toi. Ah si putain, il fallait que je voie Hook, non? Bah, c'est parce que t'as au téléphone jeudi dernier? Ou tu voulais le voir, hein? Si. Mais il avait pas l'air très réceptif, il était un peu en panique. Non, 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 je ferai pas ce que vous dites parce que vous allez me menacer. J'ai rien dit encore. Boutique. On aime vraiment la couleur à la Mano, c'est beau. Tout dans l'originalité. Bon, j'ai fait vite fait une tenue. La tenue hiver va plus trop servir, non? Non, normalement, non. Bon, il faut que je trouve une autre tenue, une tenue... Une tenue proche du peuple? Une tenue des politiciens. Chris, tout va bien à la maison? Ça va. Pas mal, non? Oui. Non, non, mais j'ai des... Ça. Elle est belle, celle-là. Elle est très, très belle. Elle est belle, celle-là, non? Elle n'existe pas en noir? C'est quoi comme motif? Mais je sais pas, mais des diamants, non? Je crois que c'est pas des billets.
C'est des billets ? Non, c'est pas des billets. C'est des... C'est... Moi, je sais pas ce que c'est. Des nœuds. Il y a des nœuds. Voilà ! Ça, nickel ! Ah non, mais non. Tu vas pas mettre la léopard aussi tant qu'il y est. Non, je vais laisser là. Je préfère la l'autre pour le coup. Oula, marqué quoi dessus ? Je veux pas savoir. Ouais, des câbles, non ? Non, c'est dégueulasse. Un nouvel homme plein des couleurs et des discussions. Miguel les pipous. Par contre, c'est une veste qui plairait à Foub. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas mal. Mmh. Non. Tout en sobriété. C'est... Vagos, vagos. C'est quoi un P ? Il y aurait eu un M, je les mettais tout de suite. Ah, c'est pas mal ça. Oh ! Juste. Là, elle passe mieux, je trouve. Avec les mêmes pantalons ? Bah, le pantalon gêne pas en soi, non ? Ouvert ou fermé ? Plus fan du fermé, moi. Ouais, moi j'aurais dit ouvert pour changer, parce que t'es toujours en veste fermée, mais... Ah, avec ça, c'est joli aussi. Avec juste les... Le mouchoir dans le... Oui, mais j'ai déjà, je crois. Ouh, c'est beau, ça. Oh, qu'est-ce que ça me... Oh, voilà. Non, j'aime pas celle-là. Elle te va pas. Celle-là, elle est plus cintrée. Oh non. Nickel. Elle là, nickel. Hein. Un petit nœud pop. C'est parfait. J'aime bien celle-là. Celle-là, ouais, elle est cintrée en plus. C'est pas mal aussi comme ça, noir, blanc comme ça. Aussi, oui. Nickel. Oh non. Parfait. Alors ça fait pas proche du peuple pour le coup, ça fait mon bouillac. Faut dire qu'on a beaucoup d'argent. Et tâte quand même. Non, ça fait mon bouillac. Oh non. Non, moi je valide, hein. Ça fait. Comment tu peux être proche du peuple avec des billets de 100 dollars sur la veste ? Mais justement, je donne des bouts de veste, je donne des smic. Exactement. Bien sûr. C'est une veste faite en dollars. Je sais pas, en blanc ou. Tu me diras, celle-là, t'es belle là. C'est à 6. Oui, c'était celle-là. J'aime bien celle-là, ça apporte de la texture à la tenue. Mais je vais celle-là. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres ? Moi, j'en pas mal. T'as le pantalon qui va avec. Avec celle-là. Il faut que je regarde, peut-être. Oh, peut-être too much. Un ensemble, ça pourrait être stylé. Avec, regarde, un col roulé. J'aime bien avec le col roulé, par contre. Il n'y a pas de blanc. Même noir, ça passe aussi. Hein. Fait bizarre, non ? Moi, je sais, ouais, ça non. Fait un peu space. Ah ouais. Moi ça me choque pas. La cravate qui donne cet effet chaud. Je pense que ça passera mieux avec une chemise ouverte. Blanche, là. Oui. Sans cravate. Sans cravate, ouais. C'est plus décontracté, ouais. Attends, j'enlève la. C'est quoi la cravate déjà ? Chapeau. Accessoire quoi. Un accessoire. Voilà. Merde ! C'est pas ce que je voulais faire. Utiliser les pantalons pour voir si elle est même. Par contre, je vais les choper cargo. Ça peut être quoi ? Non, c'est pas là. Je pense que c'est un truc que vous aviez. Mais ouais. Je pense que ça sera un cintré comme la veste elle est cintrée. Ouais. Un slim quoi. Peut-être non, ouais. Oui, je l'ai vu, oui. Parfait. Non, je crois que... Non. Je crois que vous allez peut-être... La ceinture fait bizarre. Durer une ceinture, ouais. C'est pas un pantalon, ça c'est... Non, c'est un baggy, ça, non ? Nickel! Ouais. Tout 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 tout! Nickel, ça va coller au cul.
Voilà, nickel. Ah, là, on est bien, là. Nickel. Nickel. C'est ce qui manquait, ça. Proche du peuple et des vaches. Ouais, peut-être le... Ah, avant. Non, c'est pas le même. C'est pas loin, mais ouais, c'est pas ça. Non. C'est surtout celui avec les baguilles, oui. Non, je n'ai pas d'autres. Bah, je pense quand même qu'il va en prendre un noir. Alors. C'est original, ça. Et ouais. Comme ça ? Ouais, je pense que c'est mieux. Hein. Ouais, c'est bizarre, bah... non ? Non, pas plus que ça. Et oui. Ah, moi, sur ces pantalons, c'est la ceinture que j'aime pas. C'était son talon là que t'avais avant, c'était un autre. C'était celui-là. Ah ouais. Après, je peux vous remontrer un... avec le col roulé. C'est... Après, la question, c'est ça, est-ce que j'ai fait col roulé ? Ah, c'est bizarre, avec un jean et les baskets d'un coup, oui. Ouais, ça, ça pourrait peut-être mieux le faire. Parce que j'ai peur que ça soit choquant, le col roulé avec le pantalon de costume. Ouais. Donc si je fais... Je vous montre un jean. Donc, c'est pas ça que je vais faire. Un jean comme ça, par exemple. Ouais, c'est celui qu'on a, ça. Quelle couleur ? Nous, on l'a en noir. Ah, ça, tu peux changer. Lui, le bleu foncé, il peut être pas mal. Et où la teinte gris délavé va bien avec la couleur globale de la veste. Ouais, ou gris délavé, n'importe. Jean, c'était lequel, celui-là ? Comme ça ? Merde. C'est trop fort que je l'achète. Comme ça. Ouais, celui-là. Et mettre un... Basket, on a dit. Ouais, basket. Ouais, parce qu'avec les Oxford, ça fait un peu bizarre. Moi, je mettrais les streets comme on les garde. Si t'arrives à trouver des baskets avec le même motif, c'est le feu. Les streets, c'est quoi les streets? Elles s'appellent streets? Non, c'est les prolapses, c'est les premières dans les baskets. Quoi, les nôtres? Ah ouais. Ah, mais ça le fait pas avec. J'aimais bien celle-là, moi. Ouais. C'est déjà un peu plus... Enfin, ça va mieux que la veste. Oh, nos anciennes chaussures. C'est fait comme ça? Et donc, Lo, vous dites la veste? Non, la veste, faut la garder, ouais. Mais attends, faut que je la retrouve. Non, en vrai, avec la chemise ouverte, c'était pas mal, hein. Juste pour vous montrer, attends. Et je reprends la veste, c'est laquelle... On l'a passé, non? Je pense qu'on l'a passé, ouais. Merde, faut juste que je retrouve... Non, c'est pas celle-là. Non. C'est du centre. Ça... Celle-là, non? Non, non, c'était pas ça. Non, non. Mais celle-ci aussi, elle passe bien avec le jean. Non, c'est pas ça, si. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-ci. C'était la même, c'était le même motif, mais on... Là, celle-là. Merci. Donc on a ou la chemise ouverte, ou les cols roulés. Ah. On va faire la chemise, moi. Chemise, ouais, ça fait mieux. Moi, j'aime pas le bas. Nickel. Recommençons. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, putain, mais niquez-vous. J'ai pas assez des sous. Quelqu'un a des sous? Oui. Mais il faut pas les avoir sur la banque? Bah, s'il a plus de sous à la banque, ouais, c'est compliqué là. Ouais. Ah, tiens, c'est le mec qui a piqué les sous. Non, je peux pas lui donner pendant qu'il est dans le. Non, mais si. Ah, il me dit, vous avez déjà ce soir. L'argent. Attends, c'est que je passe ça, c'est que c'est déjà. Je comprends pas. Attends, est-ce qu'on est ça? Ah, voilà. Ah, bah, c'est moi qui les ai eu. Bah, génial. Donc, toi, chérie, t'aimes pas les bas? Mais. Non. Tu le jean basket, Moripil. En fait, c'était très bien comme t'étais avant avec le pantalon de costard et les Oxford. Pour le coup, ça me choque pas. Bon, ça fait proc, mais ça me choquait pas plus que ça. Là, jean basket avec la veste de costard et chemise, c'est deux mondes de saveur, quoi. Mais après, si toi t'aimes bien, reste comme ça. Je m'y reconnais pas. On est d'accord. Maintenant, des costumes. Chris, la boîte, elle est pas au tatoueur? Non. C'est un fit que t'avais, je crois. Ouais, parce que là, il est chelou, c'est ici. Ouais. Il est quoi?
Il est chelou, lui, ça fait pantalon un peu. Genre, t'as acheté un pantalon trop grand. C'est un fit que t'avais, je crois, en slim. Ouais, ça. Celui-là. Ah, Continental est pas mal, ouais, non, un peu trop. Après, en gris, pourquoi pas. En gris ou blanc, ça peut être pas mal. Blanc avec les chaussures noires. Ouais. Ça, peut-être. Faut tester, oui. Ouais. Des Oxford, du coup. Les blancs se ressortent mieux, non? Ouais, les blancs ouais, sont plus belles. Je Est-ce pense que le pantalon gris serait mieux, non? Gris? Noir? Mmh. Gris ou noir, ouais. Bon, en fait, je vais m'habiller comme avant, quoi. Et juste la veste qui a changé, quoi. Après, je peux mettre un pantalon, mais comme ça, mais tu vois, ça fait... Non. Bah là, en fait, le bas est pas ouf. Enfin, le bas du pantalon n'est pas ouf. Pyjama, ça. Ouais. Gris ou noir? T'as pas gris t'as plus gris. Clair encore? Ah, avant, t'en avais un. Avant, après le rouge. Attends, je regarde si c'est... Non, je pense que noir ou gris graphite, ça c'est mieux. Noir est bien. Mm. Ouais, on va faire le noir et je vais mettre à la place des hivers. J'appelle comment ça? Moi j'ai mettre Mathieu, je l'ai appelé ami du peuple. Politique. Nickel. J'aurais pu mettre jeune cadre et dynamique aussi. Jeune entrepreneur. SP plus. Et tu me diras, j'ai dit ça, mais derrière moi j'ai plein de jeunes à la mano qui font peur. D'ailleurs, et Pablo et Jim, eux, ils ont décidé que plus jamais ils mettent les mêmes habits que les autres. Ouais, la tenue du début. Et mettez au moins celle avec les chemises. Mais ça va bien, non? Et si on essaye de faire de la politique, là, ça fait loupard. Ils s'en battent les couilles. De toute façon, juste quand je parle, ils s'en battent les couilles. Du coup, on va où couilles. Et voter. On va voter au DSAS. C'est derrière. On vote pour qui? J'ai aucune idée. On pourrait pas essayer de parler avec un des gars pour essayer vu qu'on de les a tous plantés, depuis ils veulent plus nous voir. Mais si là on lui garantit 12 voix, peut-être qu'on peut peut-être obtenir un truc de lui. C'est assez utopique. Et bon, tout le monde tient. Le problème, c'est ça, c'est pour qui on vote. Je demande à ce monsieur pour qui vote. Comme ça, au moins, du moins. Vous parliez à moi? Oui, c'est pas grave, non, c'est bon. Oui. Mais c'est pas. Je voulais, je fais un plouf plouf entre les trois, hein. Et puis on n'en parle plus. Bah la liste de Orlando, elle est, elle veut nous foutre la dose. Arkel et Catardo. Bah, alors vas-y Mike, je sens que t'es chaud. Fais-nous une petite et un petit, oui. Petit résumé sur les listes. Je suis là, je t'écoute. Bah alors la liste d'Orlando, de ce que je sais, ils veulent défoncer les criminels un maximum. Catardo et Arkel, j'en sais rien. Ils ont l'air de lâcher. Et il y a Hook. Qui est pas ouf non plus. Mais ça a l'air d'être le meilleur des trois. Voilà, voilà. C'est moi, Mike. D'accord. Bon. Ça nous aide pas beaucoup. Bah ouais, non, mais très honnêtement, je sais pas pour qui voter. Hein. Ah bah là clairement oui. Je pense que sur les trois, allez. Il y en a aucun avec qui on arrivera à discuter, je pense.
Peut-être Arkel, mais encore une fois, je suis même pas sûr. Arkel, c'est pivotaire, c'est pour ça aussi. Arkel. Ouais, voilà. Arkel, quoi. Ouais. Bah, moi, la seule anecdote que je pourrais avoir sur Hook, on lui a fait une remarque là sur le truc d'avocat. Et 24 heures après, il y avait une mention. Ouais. Sur la remarque qu'on lui avait faite. C'est-à-dire comment il a écouté. Ouais. Mais. C'est un petit exemple, quoi. Ça vaut pas. Ça vaut pas grand point. Ouais, je pense que Hook, c'est la meilleure des sur les trois, mais. On peut... Il est déjà en place. Faut pas espérer qu'on ait des grandes discussions avec eux, je pense. C'est lui qu'on avait planté, non? Non, c'était bah, l'assistant de Micron. Mais lui, il était vice-gouv avec Micron. Okay. Il a eu une embrouille avec Micron et du coup, il s'est détaché de celui-ci et. Il a fait son propre truc. Nicole, tu veux pas essayer d'appeler Hook et obtenir un truc Tu veux que... Oui, Hook m'avait dit qu'il voulait bien nous voir, mais vous voulez lui demander quoi? Je sais pas, tu fais ta magie là, tu te le mets dans la poche. Bah si c'est pour que ça finisse par aller ouais. Qu'on en plante un et que machin... Ah non, maintenant on est dans la diplomatie. À savoir que apparemment, d'après Hook, les Marshall sont de son côté. Je m'en fous en fait, dès qu'il est de son côté, moi je veux juste et... Je l'appelle. Je vois s'il est derrière et on peut le voir. Mais il est pas genre juste là. Oui, alors bonjour, monsieur Collins. Monsieur, comment allez-vous? Bien, vous. Oui, c'est vous qui êtes dans les halls? Oui, on est dans le hall. Ah oui, merde, vous êtes dans les halls, pas de soucis. Et c'est parce que mes hommes avaient des questions à vous poser. Bah, dites-moi, venez, on discute. Je sais pas. Oui, on est devant l'urne, vous voulez pas venir avec nous? Ah non, là actuellement, vu des infos que j'ai, des alertes pour que je me tape, je vous avoue, je suis à disposition de mes procureurs. D'accord, donc vous, je suis puis, à 4 mètres de vous. Ouais, mais je vous. Non, mais la dernière fois, ma femme est sortie, je suis pas de la porte, elle s'est fait enlever par Marcel Lampron. Mais je vais pas vous enlever, non, du bordel là. Je dis pas ça, c'est juste que la dernière fois où moi j'ai eu pas peur. Ça, j'ai pas forcément. Mais il y a 4 mètres à faire. Bah, je sais bien, bah venez, faites-le, on sera dans notre bureau, on sera posé. C'est quand même plus agréable d'être au sein du bureau, monsieur Collins, non? Il en plus. S'il fait 4 mètres. Vous souvenez quand vous êtes venu pour le dédommagement? On était posé, on était bien, dans le bureau officiellement, pour un vrai rendez-vous. Je vais pas vous enlever, nous dit de border la cul. Il y a 4 personnes dedans. C'est juste que des fois c'est plus agréable. On est dehors devant l'urne et on se posait des questions. Vous voulez vous rencontrer? On n'est pas fait. Parce que moi le problème c'est que j'ai pas le droit de parler campagne aujourd'hui et demain. Parce que les campagnes sont terminées depuis dimanche. Donc venez à l'intérieur du LSS, on en discute, il n'y a aucun souci. Bon, je vous explique. Il a peur qu'on enlève parce que sa femme la dernière fois elle a mis un pied dehors. Donc c'est le gouverneur qui sortira jamais de sa putain des lieux. Des peurs qu'on enlève. Donc il faut savoir. Parce qu'il a mis un pied dehors. Mais dans tous les cas, jardin, c'est le LSS quand et même. Il me dit je n'ai pas le droit de parler politique et campagne, et c'est clôturé. Je ne peux plus en parler. Venez dedans qu'on en parle. Mais ça change rien que ce soit dedans ou dehors. Il est au téléphone, ça se trouve, il est en train de téléphoner au LSPD, tu sais. Pour venir, il s'est mis au téléphone. Si, je reconnais, c'est le CSA. S'il franchit cette marche. Ils peuvent lui tomber dessus. Tu sais que rien que pour ça, j'ai envie de rentrer du coup une balle de merde. Oui, mais alors, plus comme ça. Alors, c'est exactement ça, vous. Non, mais bah, juste pour ça, c'est pas pour lui. Tu. Juste. À un moment donné, on est des citoyens comme les autres, non? Exactement. Merde, c'est qui d'autre les listes? Arkel et l'autre, c'est la pire des pires. On va voter pour Arkel. Attends, j'appelle Arkel. Mais c'est le manche-bite de Parnasse, ils sont tous ensemble. Parce que tu crois que Hook c'est pas le manche-bite de Parnasse? Ils sont tous manche-bite des Parnasse. Je sais pas. Bon, voilà. Mais j'ai juste pas envie de voter pour lui, le gars, il est pas capable de faire 4 mètres. Bah ouais, il aura peut-être les couilles de venir ici, lui. Il vient de l'appeler, il répond pas. Non, on vote pas. Oui. Mais en vrai, tu sais, t'es là, tu te dis, est-ce qu'il mérite, c'est que tu votes. Bah, ouais, non, mais tu vois, à un moment donné, on n'a rien fait de particulier, mais.
Juste, il est là, oui, vous avez qu'à rentrer, comme ça je suis en sécurité. Mais tu vois ce que je veux dire ? Il peut se faire 12 voix, il veut pas sortir, bah. Il se fait enculer. Ah non, pardon, on peut plus dire ça. Non, Pablo, on essaye d'évoluer là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. En fait, je réfléchis, je comprends pas l'idée. Maintenant, est-ce que de rentrer et discuter avec lui est pas intéressant maintenant ? Ça m'énervait. Ça donne pas envie, quoi. On est d'accord que ça donne pas envie. Je vais vraiment finir par me déclarer en politique. Parce que je sais que j'aurais pas peur de vous laisser les contrôles et la mano le temps que je fais de la politique. Dans ces moments-là, quand on voit un blaireau pareil, et j'ai presque envie de dire que un vrai gouverneur... Est... Il arrive, miracle. Ah ça y est, il sort. Et il sort du cul. Trois gardes du corps. Monsieur Collins. N'hésitez pas à rentrer des peurs qu'on vous enlève. Hein. Bah non, c'est pas ça, c'est que comme on a déjà eu des soucis, on évite de les reproduire, quoi. Et c'est complètement... J'en aurais contre vous, c'est pour ça, et moi c'est je complètement vous invite débile. À venir dans mon bureau. Je vous ai appelé, je vous ai dit qu'on passerait ce soir. Je vous passe un appel, et vous avez 17 témoins, je viens juste discuter avec vous, et vous me dites, et c'est de peur que vous... Enfin, rien que pour ça, je devrais porter plainte pour vous. Pas de vous, monsieur si, Collins. Si, je devrais porter plainte contre vous, c'est de la discrimination, monsieur Collins, le gouverneur. Je vous invite dans mon bureau pour qu'on boive un café, c'est, qu'on discute c'est, politique c'est comme ce n'est pas de la discrimination de dire à quelqu'un, je ne sors pas des peurs de me faire enlever. Monsieur Collins, j'ai dit qu'il y a déjà eu des enlèvements, moi, de ma femme, par monsieur Lampion. Du cartel, j'évite que ça se reproduise. Alors, est-ce qu'on a la tête du cartel ? Non, par contre, j'évite que ça se reproduise dans certains cas. On vient pour discuter politique. Moi, je vous invite à l'intérieur de mon bureau pour qu'on boise un café et qu'on parle politique comme alors, vous avez demandé. L'urne, là. On est devant l'urne, on va pas aller dans ton bureau. Et on m'a parlé de politique, on va pas parler pour voter l'urne directement. Quand M. Collins m'a appelé, c'est pour discuter politique. C'était bien ça, M. Collins. Voter aujourd'hui ou demain ? C'est pour ça qu'on a le temps de discuter à l'intérieur, prendre un café, discuter de ce que vous voulez, prendre le temps et se poser. C'est dans cette idée-là, moi, que je vous invite à l'intérieur. Il faut aller dedans, c'est ça ? Bah, si vous voulez... Si vous voulez, on fait... Dehors, voilà. Je vais faire ça, je... Pas de soucis, comme ça, vous voilà. Non, mais venez. Non, mais comme ça, hop, voilà. Vous pouvez rester dehors comme ça, vous êtes sûr que là, si jamais je suis agressif non, avec vous, je risque un mandat fédéral. Question, monsieur Collins, mais si, c'est la question, monsieur le gouverneur. Mais à un moment donné, vous êtes élu pour votre campagne, c'est pour toute la population, non ? On est bien d'accord, mais je ne suis plus en campagne depuis dimanche soir, monsieur Collins. C'est les règles également, de mon côté. Donc, si on prend les tels quels, le monsieur Kangri, c'est au procureur ? Oui, c'est un procureur, oui. Donc, puisque vous êtes sorti et que vous venez de nous dire que nous allions pouvoir parler politique ensemble, c'est une infraction, il devrait vous arrêter sur le fait. Il vient d'être témoin du fait que vous nous ayez dit que vous alliez parler de politique avec nous. Écoutez, rien qu'avec vos mots. Politique, c'est politique de la ville, c'est pas parler de campagne, c'est pour ça que je voulais pas rester devant l'urne et vous influencer dans le vote. On soit bien d'accord. Très bien. Donc en plus vous prenez les gens pour des cons, c'est-à-dire que. Et bien sûr que Collins. Si. Vous me dites, on va parler, je viens, vous dites non, de peur que je parle au procureur. Donc vous étiez d'accord pour qu'on discute des politiques ensemble et dès la politique que vous allez mener en tant que futur gouverneur pour qu'on puisse discuter. Moi, c'est de la politique actuelle parce que je suis pas forcément futur gouverneur, monsieur Collins. Vous me fatiguez. Ça dépend, ça peut être monsieur. Au-delà d'être un politicard, vous me fatiguez. Bon, à part être un menteur compulsif voilà. On vote pas pour lui, putain, pas pour lui. Et on votera pour. Je m'en fous pour qui on votera, mais c'est pas un homme politique et c'est un gouverneur qui s'est flippé des tout, qui veut pas prendre en main les choses et qui a pas envie de faire de la vraie politique. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'on les lise et qu'il se tape du pognon, je sais pas quoi, et qu'il reste dans sa tour d'ivoire. Je vote pas pour quelqu'un qui voit pas les problèmes du peuple. Libre à vous de voter ce que vous voulez, monsieur Collins. Et oui, c'est dans un pays libre, monsieur. Oui, bien sûr, et c'est votre droit, heureusement. Et je pense qu'au prochain mandat, je me présenterai contre vous. Et c'est pas une blague, c'est que... Moi, je me représenterai pas, monsieur Collins. Au prochain je pense mandat... que certains d'entre vous savent qu'on s'intéresse au peuple. Il y en a certains que j'ai croisés à la Syrie. Donc je pense que certains savent très bien que ce que l'on fait, c'est pour les gens, en général. Oui, à la Syrie où les flics nous virent. Moi, je suis allée à la Syrie. Je suis désolée, mais quand je suis passée, j'en ai croisé certains d'entre vous et je les ai remerciés parce qu'ils ont aussi donné de la nourriture. On était tous là pour ça, pour aider, pour soutenir. Oui, mais pas vos forces, par contre. Les forces de l'ordre, par contre, eux, c'est même pas un merci, ça va vous faire enculer, dégager et basta. Aucun moment, quand on est proche du peuple, on s'intéresse vraiment au peuple. Faire le beau pour aller faire un programme et donner de la bouffe, c'est pas de la politique. Ça s'appelle du lèche-cul. Bah, j'ai pas fait ça pour ça. Vous me connaissez pourtant, pas. On dirait bien. Eh ben non, vous me connaissez pas, vous savez pas ce que je pense. Ah, toi non plus, tu sais. Sauf que les actes. On est d'accord, mais on s'est retrouvés tous au même endroit, au même moment, pour faire la même chose. Et donc, si vous faites partie du bureau du gouvernement actuel, et si vous faites les choses, rien ne vous empêche de dire à la police, au nom du bureau du gouverneur, laissez ces personnes, elles aident d'autres personnes. Vous avez un comportement qui est un comportement, ce qu'on appelle passif-agressif, et
Vous faites passer vos convictions dans le fait de laisser faire les choses en disant « ce n'est pas moi, je ne peux rien faire ». Or, vous êtes les gouvernements, donc vous pouvez faire les choses. Ce qui fait que, en laissant faire que mes hommes et amis se sont fait dégager, vous cautionnez. Vous n'êtes pas, vous faites semblant, c'est que de la visibilité. Et aujourd'hui, je ne suis pas en train ni de vous menacer, ni de proposer un problème à votre intégrité. Simplement, je vous dis avec des mots que la façon dont vous agissez est une façon de mensonge. Et qu'aujourd'hui, vous faites semblant de dire que vous avez aidé les peuples, mais ce n'est que de la communication. Lorsque ma femme va aider des gens à la Syrie, c'est réellement pour les aider. Et la plupart du temps, lorsque nous agissons pour aider la population, nous le faisons sans arrière-pensée et sans demande. Les choses, quand il s'agit de mon business, c'est je le dis haut et fort et je ne le cache pas. Et je ne le cache ni au gouvernement ni à la police. Ce qui me tue, c'est que vous faites très bien votre rôle de politicien, à part cracher que les autres font pire. Vous ne faites concrètement rien pour aider ni la population, ni être à l'écoute des gens. Ce qui est dommage, c'est que quelqu'un qui est à mon écoute, avec qui je peux discuter, il n'y arrive jamais rien. C'est une question de respect. Dans du business ou dans de la discussion, on se doit de respecter l'interlocuteur ou l'interlocuteur du business. À partir du moment où cet interlocuteur fout la merde ou ne respecte pas, c'est à ce moment-là que je coupe court à tout business ou alors j'ai fait des répercussions. Maintenant, vous ne souhaitez pas ni discuter, vous souhaitez jouer avec les mots, vous souhaitez nous dire que vous êtes d'accord pour parler politique, mais comme les procureurs et là, non, c'était pas ce que vous alliez faire. Et la semaine dernière, lorsque je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit que vous étiez prêt à me parler de votre programme bien en sûr, début de semaine. Un de politique. Non, le programme. De la vie, vous pouvez, ne montez pas dans les tours, ne vous énervez pas, cela ne sert à rien. Non, mais je m'énerve pas. On si parle vous énervez, et non, c'est pas ce que vous pensez. Ah, votre voix, pourtant, c'est pas le cas, en tout cas, monsieur votre voix vous trahit, voyez, vous répétez encore et encore de la négation. Plutôt que d'arriver à retourner la phrase et pour dire les choses, la rhétorique n'est pas là. Ce qui est dommage, la rhétorique, vous voyez, et on reconnaît un homme à sa façon de parler, à sa façon d'agir. Ce sont les deux critères qui permettent de juger un homme. Je suis déçu de ne pas m'être présenté ici, j'aurais adoré faire un débat contre vous. Vous m'auriez traité des criminels, je vous aurais dit oui, et je vous aurais aussi traité des criminels, le prouvant par A plus B. Ce qui était rigolo. Maintenant, est-ce que le mot criminel est sorti de ma bouche là depuis que vous êtes arrivé? Vous savez, monsieur Hook, okay, je n'ai pas besoin que vous le dites. Lorsque vous le pensez fort et que vous faites les insinuations sur les faits de se faire enlever ou autre, lorsque monsieur Parnasse vient ici et dehors, vous sortez les saluer et vous laissez la bite. La dernière lorsque fois qu'un assistant est venu chez vous, monsieur Maria s'est pris un coup de couteau dans le dos, c'est normal que j'ai des inquiétudes, non? Si je puis me permettre de terminer. La dernière fois que quelqu'un est venu chez nous, et je dis devant monsieur le procureur, je n'ai aucun souci, c'est que monsieur Micron m'a dit au nom de M. Micron et de M. Hook qu'il souhaitait que acheter des voix et qu'il souhaitait acheter des possibilités pour faire transiter par la suite de la drogue. Je lui ai dit que non seulement je ne m'occupais pas de ce type de business, mais qu'en plus c'était très désagréable. Puis il a continué, au nom de M. Hook et au nom de tous les gens qui sont avec moi, nous souhaiterions quand même acheter des voix, ce qui est bien parti avec d'autres groupes criminels. Par la suite, je lui ai indiqué qu'à deux fois, M. le procureur, cela était plus que désagréable. Par la suite, oui. Je mets un coup de couteau. Et je crois que c'est même pas moi. Maintenant, si vous souhaitez qu'on parle de votre ex-associé, monsieur Micron, condamné à de multiples reprises, ne me faites pas croire que non seulement vous ne connaissez rien de ce qu'il a fait, mais qu'en plus de ça, vous n'étiez pas complice. Qu'un juge ne puisse pas les dire, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose, c'est que non seulement vous étiez d'accord avec lui, mais qu'en plus, d'après ce que je sais, monsieur, avant même de faire de la politique, je vous le dis, vous faisiez partie d'un groupe criminel qui vous a placé là pour essayer de défendre les groupes de la ville. Pas groupe criminel, pas groupe criminel comme vous l'entendez. Un consensus des personnes qui pensant vous placer là, c'est dit que vous pourriez faire tomber les criminels en agissant de la même manière. Je n'ai jamais été placé par quiconque, monsieur Rodriguez. Pour ce qui est de ma condamnation et soi-disant collaboration avec monsieur Micron, j'étais moi-même interrogé également par les marshals avec la perquisition de tous mes SMS. Si j'aurais été coupable de quoi que ce soit, j'aurais été condamné comme lui. C'est pas le cas. Vous savez, je n'ai jamais été condamné pour meurtre. Chris ? En fait, moi ce que je vous dis, c'est que je suis passé à la lessiveuse comme monsieur Micron. Il a encore eu un mal de tête. Libre à vous de penser ce que vous voulez.
Moi, j'étais prêt à parler politique. On parlait de politique de la ville. Vous êtes intéressé de la politique de la ville. Je vous invite à l'intérieur pour boire un café, qu'on discute comme tout le monde, comme on fait avec tout le monde. Après, c'est vous qui choisissez. Vous savez, il est dommage dans la vie d'à un moment donné, ne pas être capable de juste à un moment donné partir du principe qu'on est faillible. Ce qui fait que, en ne pensant pas que vous êtes faillible, vous n'avez pas dans votre tête la moindre envie de juste dire bon, tu peux voter blanc. On est parti des mauvais pieds. Bon, c'est peut-être pas la meilleure manière que j'ai eu de vous accoster. Je vous propose qu'on recommence. Non, vous dites, moi j'ai fait, on vous a compris, vous vous aimez. C'est une très bonne chose. Et concernant nos vôtres, c'est pas pour vous le donner ou pas vous le donner. Nous avions des questions concernant la politique économique et la politique sécuritaire de la ville. Maintenant, vous avez décidé de mettre d'abord au cœur de la sécurité qu'est la Manon. C'est un groupe dangereux avec qui vous avez déjà eu des problèmes. Nous allons mettre au centre dans notre tête que vous nous avez déjà fait des propositions d'acheter des voix. Ça ne me semble pas être des gens très logiques. J'étais présent, monsieur Rodriguez, à ce moment-là, oui ou non? Je n'étais pas là. Non, et pourtant, vous partez du principe... Est-ce que monsieur Mikon peut parler pour moi, comme quelqu'un peut parler pour vous? Très bien. Alors, pouvez-vous parler, n'étant pas là? Vous me dites que vous savez tout, mais vous n'étiez pas là. Donc, au courant, surtout pour monsieur Marias, qui s'est pris le couteau dans le dos, parce que je l'ai récupéré. Bien sûr, lorsqu'il s'agit, donc, de votre côté, vous pouvez juger et discuter des gens quand vous n'êtes pas là. Mais quand il s'agit d'autres personnes qui, eux, étaient là, ils ne peuvent pas vous juger puisque vous n'étiez pas là. Donc, dans un sens, bien sûr que si, d'affirmation de quoi? Moi, l'affirmation est, monsieur Micron m'a dit qu'en votre nom et lui-même, vous étiez bien son adjoint, vous vouliez acheter des voix. Moi, j'étais le binôme, pas encore adjoint. Très bien. Pour autant, il a beau dire tout ce qu'il veut, il parle pas forcément pour moi. En plus d'être un politicien mauvais, vous êtes en plus un menteur. Mais en soi, c'est pas très grave. Mais oui, c'est ce que je veux, oui. Exactement. J'ai hâte de faire de la politique. Ce sera un grand plaisir. Bref. De toute façon, avec ce qui a été dit, le procureur fera son boulot. Si c'est vrai, il y aura une annonce pour m'annoncer en fait dès bientôt. Non. Si je calcule bien, nous sommes largement dans la zone où vous ne risquez plus rien. Mais le procureur ne va pas lancer une enquête et vous concernant. Je pense que ça peut toujours être possible pour le procureur. C'est une fausse. Des prescriptions. Dommage. Bref. Nous nous permettons de vous laisser congé. Nous allons réfléchir et voter. La machine est juste à côté. Nous souhaitons garder notre droit des confidentialités, s'il vous plaît. Aucun souci. Une excellente soirée à vous. Merci à vous aussi, monsieur Collins. D'abord, je dois vous voir, monsieur Gouverneur. Ouais, j'arrive. Bonne soirée. Très bonne soirée à vous. Faites attention quand vous sortez, les gens se font enlever. Oh là là, quel méchant criminel. Je suis au courant, monsieur Collins. Mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude aussi, merci. La dernière fois, c'était avec monsieur Ben. Attention, vous êtes dehors. Quelle espèce de débile. C'est un bel oiseau, notre chien. Je vote pas pour ça, oui. Le mec a peur d'aller voir, tu sais, je rigole pas quand j'ai dit que j'ai fini en politique. Quelqu'un qui est capable d'aller voir les gens et dire, bon, où est le problème? Bon, ça m'ennuie un peu, c'est que la police, elle va peut-être faire la gueule, mais... Si tu me mets commissaire, il y a pas de problème. Commissaire Pablo. Je veux bien être shérif. Je signe, hein. Je signe. En vrai, c'est peut-être impressionnant ce que je vais te dire, mais je veux très bien pouvoir qu'elle. Au moins, quand il était commissaire, il nous laissait faire nos gardes de gang comme on voulait. Il y avait de ça. Mais lui, il disait si ça touche pas aux citoyens. De quoi? Il disait si ça touche pas aux citoyens et... Voilà. Non, tant que ça se passe chez les gangs et qu'il n'y a pas de blessés civils, faites ce que vous voulez. Moi, je ramasse les armes aux MS. Moi, il ramasse les miettes. Bon. D'un côté, ça économise les forces de ses... Tu vois, tu dis que lui, il était à la solde des Parnasses. Mais Parnasse, c'est pas un mauvais gars, il veut juste que ça tourne et que les gens ne se fassent pas défoncer, c'est tout. Oui, il veut faire du business, quoi. En soi, il a plutôt notre approche, parce que nous, on aime bien aussi avoir une police qui fonctionne. En tant que criminel, si ta police ne fonctionne pas, c'est à toi de la faire. Comme si la police est en grève, on passe plus de temps à faire la police qu'autre chose. C'est bizarre quand même qu'on ait pas eu 17 voitures des polices. Oui. Je regardais aux alentours, mais ouais. De quoi on vote Arkel du coup? Je crois bien que je vais voter pour la première fois. Vous votez en votre âme et conscience, on n'a passé personne. Oui. Maintenant, j'ai pas envie de voter pour Hook. Et l'autre, tu m'as dit, c'est qui? Arkel ou Catardo. Enfin, Arkel Catardo et l'autre, c'est. Racine Carré.
Apparemment, l'autre c'est la pire des pires, donc. Bah, Arkel alors, allez hop. Mais Racine Carré, c'est qui? J'aime pas Cooper. Qui c'est. Mais je sais pas qui c'est. Moi non plus. Moi non plus, mais apparemment, dans le programme, d'après Mike, il décide de mettre un grand coup de pied dans la criminalité. Mais bon, ça c'est comme tout. Hein. Oui, c'est des belles phrases. Et moi, si j'ai fait de la politique, je mettrais au pareil. Hein. Moi, je vais m'occuper des criminels. Cible numéro 1, la mano. Non, c'est pas ce qu'ils mettent justement dans le programme, mais c'est ce qu'ils disent derrière. Quoi. Ouais. Ce monsieur Cooper, où travaille, où il fait quoi? Oh, j'ai aucune idée. Je sais pas. Alors, attends. C'est un problème, les mecs se lancent, une personne. Attends, attends. Bon, moi je vais pisser. Hein. Je vais pas vous. Alors, Adam, c'est Cooper. Durant le débat, ils se sont fait démonter. C'était plus un débat entre Hook et Arkel. Mais. Adam, c'est délégué personnel chez Ron. Et Cooper. Bah, c'est des employés de Ron, je crois. Et Cooper est chez Ron aussi, oui. Et il me semble que j'ai entendu que c'était deux employés de Ron, ouais. Les deux sont chez Ron. Moi, je vote pour mon couteau dans la jugulaire de Hook. La machette, un doigt, une main. Il ferme sa gueule. Non, mais moi, elle m'a fait bien rire. Oh, ok, quand on a donné de la bouffe, j'étais avec Hannibal. À aucun moment, elle nous a dit non, mais c'est bon, vous pouvez rester si vous le souhaitez. Enfin, non. Les fois où j'y suis allée, elle était pas là. Elle y va une fois pour faire son programme, pour faire la belle et basta. Faut arrêter au bout d'un moment. Surtout qu'en plus, on a entendu à la série qui venait jeudi à 19h présenter leur programme et donner la nourriture en même temps. Bonsoir. Hein. Donc c'était calculé. Faut arrêter. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est. Puis faire l'autruche, ok, c'est un bel oiseau, mais ça s'arrête là. Et bonne soirée. Bonne soirée. Il faut qu'on réfléchisse à un plan global et le plan global est déjà d'aller chercher les citoyens. Je sais pas comment, mais il faut qu'on aille les chercher. Mais vraiment, quand je dis aller les chercher, c'est aller les aider. Comment, qu'est-ce qu'on peut apporter aux citoyens? Ce que le plus en besoin, c'est la série. Dans le sens pour les aider, il faudrait éliminer les Lost. Ouais. Pourquoi que font les Lost? Je vais voter Arkel. Ah, il avait qu'à discuter, lui. Arkel, on sait qui c'est. Du coup, on vote quoi, Arkel? Moi, j'ai voté. Mais Arkel, vous votez ce que vous voulez, j'ai voté Arkel, moi. Arkel aussi. Faut viser Go Postal, les livreurs de journaux et la série. Parce qu'à la série, c'est les plus anciens qui vont payer des vêtements nouveaux et la bouffe au nouveau, par exemple. Non, mais Go Postal, tu t'auras personne. Livreurs de journaux, pareil. Bah, si, il y en a en fait. Oui, mais ils se baladent. Tu pourras pas les choper, alors qu'à la série. Il faut commencer à aller travailler, eux, d'ailleurs. Si jamais tu veux te présenter pour le prochain. Là. Mais j'ai envie de dire qu'on les a déjà quasiment dans la poche, les gars de la série. Quoi. Mais le seul problème qu'ils rencontrent, c'est les flics qui font chier et les Lost qui vont leur mettre des coups de pression inutilement. Pour quelle raison? Il y a une pote, elle est arrivée depuis 2 heures sur l'île et en fait, elle n'a pas le permis camion. Elle a tapé une bagnole des Lost. Ils l'ont menacé, limite frappé. Et après, ils l'ont dit, c'est simple. C'est soit tu reviens des excuses dans deux salut, mois, comme ça pour va nous, soit tu meurs. Tranquille, toi. Oui, je t'appelle et j'ai quelques petits soucis en ville et je pense que c'est les mésententes, mais je me disais que c'était bien que je t'appelle. Vas-y, du coup, pas la radio. Allez, je t'écoute. Et on me dit que certains de tes hommes, je mets ça au subjonctif et au impératif, comme on dit, entre guillemets. Et certains de tes hommes, entre guillemets, et potentiellement iraient voir des hommes de la Syrie pour dire où ils travaillent pour les Lost, où ils crèvent. Hein? Voilà, ça me semble bizarre parce que c'est pas technique. Donc je me permets, mais il semblerait qu'il y ait eu des soucis avec plusieurs personnes qui bossaient à la Syrie. Et la Syrie, pas les papiers, la Syrie, les métals. Oui, j'ai bien compris, ouais. Oui, et qu'il disait, vous êtes sur notre territoire, vous bossez pour nous, vous crevez. Bon, je te remonte ça parce que c'est les bruits qui courent en ville. Les bruits viennent notamment des policiers, mais aussi des... Comment s'appelle l'autre qui se présente là? Hook. Arkel. Non, Arkel, l'autre là, l'autre débile qui était avec Micron là. Hook. Hook là, je sais pas. Oui, Hook, t'as raison, Teller, c'est ça. Non, non, on fait pas ça. En fait, ce qu'on fait nous, c'est on recrute, tu vois, classique. T'as déjà fait pareil, je pense, quand t'étais dans la drogue. Et c'est genre, bah, tu veux travailler, tu nous appelles, sinon ciao, quoi. Ok. Bah, c'est pour ça, je t'appelle parce que c'est les bruits qui courent. J'étais au LSA, j'attendais ça.
Et ils étaient en mode, ils étaient en mode, il faut qu'on tape les lois, j'ai pas tout compris. La police était en mode, il faut qu'on intensifie. Ouais, je sais, donc, le procureur. Voilà. Maintenant, je suis pas là pour, je veux pas te faire une fleur non plus, mais je pense que à un moment donné, ça fait maintenant bien trop longtemps que tout le monde se cherche la gueule et il va y avoir un moment où il y a des hommes qui vont rester sur le tapis. Et aucun intérêt. Il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu pour éviter les morts et que les business se passent bien. Et je pense que voilà, il faut. Je te laisse quand même vérifier cette histoire. Bizarre, mais je l'ai vérifié tout à l'heure en fait. Bon, j'étais au courant en gros. Donc j'ai eu la même histoire, genre soit vous travaillez pour l'heure, soit vous mourrez. Bah, alors déjà, tu travailles pas pour moi, surtout si tu vas voir les flics, ça m'arrange, tu vois. Mais au niveau du reste, enfin j'ai jamais bossé dans ce style-là, donc tu vois le délire. Mais après, ouais. Mais c'est quoi ton histoire là de faut qu'on arrête de se tirer dans les pattes? Non, je parle de notre passé à plusieurs reprises et entre l'histoire et des runs, l'espoir c'est que c'était passé avant les tirs à l'arme lourde et on aurait pu tous les deux perdre des hommes. Et... Tu sais toujours moi comment je bosse. Ce qui est à côté du business, c'est à côté du business. On si d'accord. Tu veux travailler business avec nous, ça a toujours été ok. Et je suis même d'accord. Quand tu es différent. Maintenant, j'ai pas tout compris ce que m'a dit et Wilson avant de partir. Et comment s'appelle les mecs chez toi avec les cheveux bleus? Ouais, tu veux qu'on se rencontre ce soir? Je suis dispo si tu veux. Oui, si tu veux, si on se voit un peu plus tard, mais j'ai pas mal de choses à faire ce soir et j'ai surtout une chasse à donner. Mais et on se voit dans les prochains jours avec grand plaisir et Hank. Et je pense que nous avons tout intérêt à trouver les intérêts communs et que continuer les relations qui ne sont pas forcément bonnes entre nous. Je dis pas qu'il y a une guerre, mais qui ne sont pas forcément les meilleures et c'est pas forcément bénéfique. On essaie, si on se voit pas ce soir, on se voit. Juste un truc. Dis-moi. La plage, on l'utilise pour vendre. Si vous pouvez juste arrêter de venir nous saouler là-bas, tu vois. Ah oui, mes hommes vont à la place juste parce que tes hommes ont dit, et j'ai en plus pas les chiens, ils ont dit à ma femme, et tu dégages, ah ouais, ça a mal se passer pour ta gueule. Elle a dit, mais je suis quand même mano, rien à foutre, on te nique. Et donc, mais Mike, Pablo et tout ça ont dit, oh, on nous nique, donc ils sont allés là-bas voir ce qui s'est passé. C'est tout, tu nous connais, Hank. Exactement ça, ouais. Imagine que... Si tu viens par chez nous et que les gars te disent oui machin, mais je suis un lost, un tunique, tu vas te pointer pour voir comment ça se passe, non? Bah c'est ce que je leur ai dit en fait. Voilà. Je leur ai dit exactement la même chose, on fait pareil, on travaille dans le même style. Simplement moi si à partir de là, c'est simple, ils disent si vous si vous avec entre Hank et Miguel, on bosse sur la plage les gars, et, pardon mais y a pas de souci, mes hommes viendront pas sur la plage. Vas-y, c'est... on bosse sur la plage. Si vous... En fait ce qu'on fait c'est si nos petites mains achètent chez nous. Oui. Où les groupes achètent chez nous, ils peuvent bosser sur la plage. Non mais la plage, c'est un spot intéressant. Et je te laisse la plage, c'est pas un souci. Juste, je pense, tu m'appelles. Que non mais, je m'en fous, c'est juste parce que c'était en mode on va vous niquer. C'est tout. Maintenant, tu me dis on a besoin de la plage, Miguel. J'ai dit à mes hommes, les gars, la plage, vous la lâchez sur l'hoste. Fin. C'est juste, okay. Je pense que tu vois, il faut qu'on remette, on n'est parlé plus, on est très groupé. Résultat, maintenant, chacun envisage comment il nique l'autre, comment il s'est fait niquer. Et on n'est plus dans les discussions. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver les façons de se parler. Allez. Ok, on se capte bientôt. Oui. Je te laisse, j'ai des flics au cul. Pas les soucis, bon courage. Vas-y, à toutes. Putain, je suis une machine politique. Alors là, c'était peut-être un peu trop par contre, parce que ça nous ressemble pas trop de laisser la plage pour qu'ils vendent. Mais on s'en bat les couilles de la plage, tu veux faire quoi? Bah vendre. Bah nous, on y vend. Bah non, ouais, on y vend un moment. Après l'aéroport, on va pas de drogue et trouver un autre endroit, laisser la plage, non? L'aéroport, c'était bien. Vanity, c'est un bon fournisseur, peut-être on en aura besoin rapidement. Si, si à un moment donné... Les syndicats bossent plus. Et en plus de ça, on va peut-être se retrouver à un moment donné dans une histoire où les Verts, par rancune, vont vouloir nous taper dessus gratos. Donc, il va falloir qu'on envisage, et je te dis qu'on commence à remettre des discussions entre gangs. Sinon, ça va finir qu'il y en a un qui va tirer, il va tuer les gens. Alors, ouais. C'est rigolo quand c'est nous, mais c'est moins rigolo quand c'est eux. Bah allez, on va manger. On va manger. Il y a ça à faire. Il faudra qu'on passe à la Syrie après voir les gens comment ça se passe. Mike, on en est où? Bah c'est un peu tard. Il y en a un qui est parti se coucher. D'accord. Et l'autre? Soit on attend demain pour avoir les deux. Soit on en chope un. On risque de pas avoir le deuxième et le troisième. On chope les premiers. Ouais. Hannibal est resté sur la fin. Bah, va falloir traquer le deuxième alors. Demain. Et bah, on traquera. On les a toujours trouvés. Chasse à l'homme, c'est bien. C'est rigolo. De toute façon, le troisième est protégé par le BCSO, donc. Ouais. On va voir où est-ce qu'il habite surtout.
L'autre il se planque dedans. On peut peut-être obtenir des informations, enfin ces informations-là du premier. Oui. On va peut-être s'armer déjà. Habitude, pourquoi, comment ? Ouais, faut pas y passer trop tard non plus à la Syrie parce que je sais qu'il termine vers, il y en a un coup de 23-23-30. Eh ben faut y aller alors. Tu veux qu'on attende et demain ? Ça se fera les deux demain. Attends, je suis en train de voir s'il y a les deux. Demain non. Demain non ? C'est... Non, réfléchis. Ah non, oui, qu'est-ce qu'il y a demain ? Les... Élection. Si élection, ça dit ? Marshall. Marshall. Donc, c'est quand même la pire soirée pour tenter une banque. C'est surtout que demain soir il y a la finale du rallye et on est 4 de la mano. C'est aussi. Demain soir la finale du rallye aussi ? Oui. Bon, il y en a 15 sur les deux là. Entre ça les élections. Bon. Chope celui-là. Et bah ouais, on prend celui-ci et puis voilà. La Syrie, on verra s'il reste du monde et les ouais. autres aussi on fera au quotidien. On verra si le deuxième gobe le truc demain et le troisième par contre on a aucune info et est protégé par les flics. Bon, le premier tu le dis comme on veut voir. Le deuxième, on le chopera demain possible ou après-demain, ou jeudi, ou peu importe. Mais il faut qu'on commence un signal fort. Le syndicat, non seulement nous avait dit qu'il nous ramènerait Nia Olsen, au tuer, mais en plus de ça, ils ont bavé, ils sont allés voir tous la police. Donc, tu me confirmes que dans l'histoire, et Oli, ouais. Il a libéré Nia. C'est ça. Il est pressé d'aller parler à la police. Ouais. Non, Oli, c'est le chef ? Non. Oui. Non ? C'est pas lui le chef ? Non, alors ça, je l'ai appris dernièrement. Ils ont plus. On décale à la villa pour voir ça. Ils ont des chefs selon les temporalités. Ah, d'accord. Allez. Comme le CDD, quoi. C'est les métaversés. Ouais, s'il pleut, il paraît que c'est le chef en CDD. On est. C'est vrai, j'ai cru que j'allais être élu aujourd'hui, alors moi j'ai dit tiens, fais ça devant les SAS. Ouais, mais c'est compliqué. Numéro 1 des oreilles. De toute façon, tu veux qu'on fasse quoi ? Hmm. On arrive déjà pas à nous arrêter. Alors si, monsieur Miguel, jusqu'à dernier ordre, 2 balles, 3 morts. Hein. De quoi ? J'arrive à tuer, enfin, à abattre 3 hommes avec 2 balles. Donc, tout est possible. On va où, Lico ? La maison pour s'armer. Ce soir, je peux pas tirer au pistolet. Non, mais tu resteras derrière de toute façon. Mais t'as combien de temps ? 6h, c'est ça, non ? 6h. Il me semble que c'est pareil que monsieur tu les prennes un par un ou tout d'un coup. Oui, à vous-même. Bécablé. J'ai vous appelé parce que demain soir, vous avez la finale des rallyes. Oui, tout à fait. Exactement. Et c'est plusieurs des maisons mais, qui vont un, courir. 1, 2, 3 d'un coup, ou juste la 1, puis la 2, puis la 3, c'est pareil. Féliciter les gagnants, et mais aussi l'organisation et tout ça. Et organiser une fête chez moi. Mm-hmm. Et convier tous les participants, l'ensemble, les bénis, tous ceux qui veulent. Ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. Est-ce que pour vous, c'est d'accord ? Oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes organisateur, je me dois de vous inviter, mais aussi de vous demander si vous êtes d'accord. C'est important. Et bonne relation. Sans aucun problème. Pas de soucis. Alors, je vais organiser ça par les. Comment ça s'appelle ? Par les Black Cat.
Et... Je fais venir Villa. Et on fera ça à la Villa. Ok, pas de soucis pour moi. Allez, on fait comme ça. Et comme ça, demain, vous pourrez annoncer qu'il y a une fête où tout le monde est invité après à la Villa. Ah non, c'est Colline Sympa à sport. Pour choper l'emmener ailleurs. Aucun souci, je ferai la nox. Je suis très content de vous accueillir demain. Il est en confiance. Pas de soucis. Pour information, demain, après la course, on va organiser une fête ici, à la Villa. Et on va inviter les Bénis et tous les gens qui le veulent. Ça marche. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Je vais organiser une expo voiture. Il faut que j'attende la liste de Monsieur Chin pour édition véhicule unique. Donc, on va prendre et je vais appeler groupe 6 pour la sécurité et les Black Cat pour la fête. Je le fasse. Je fais venir ici le type. Oui. Oui, et je vais appeler Monsieur Parnasse quand même. Ok. Moi je comprends pas pourquoi il est aussi coopératif, mais pourquoi pas. Et donc, demain après la course, c'est chelou. Ouais. Je vais faire mettre ce qu'il faut ici pour faire la fête. Ici sur place, et Jean Dubénis, vous invitez tous ceux que vous voulez. Ok. On s'en fout qu'ils voient notre. Ok. Ça leur montrera qu'on a rien à cacher. Fred. On peut faire Fred, les photos des Fred, oui. On s'en fout. Les photos de Fred. Et je vais demander à G6 de faire la sécu. Oui. Et oui. C'est la fête aux annonces. Ah ouais, il y en a des annonces là qui pleuvent. Mais quoi, y a des nouveaux véhicules qui sont arrivés, ils se débarrassent tous de... Le Bug Red là et le Torero. La 801 là, c'est bien. C'est... Ouais, je sais pas si c'est une place ça. Bah... J'arrive pas. J'essaye d'avoir les Black Cat et. Mais j'arrive pas. Monsieur Parnasse, il décroche pas. T'as essayé Madame Parnasse ? Non, j'ai essayé Madame Parnasse, il décroche pas. Ce que je voudrais, c'est. Je veux qu'on leur donne accès à tout. La piscine, etc. Limite, il faudrait que tout le monde garde les véhicules ici. G6 en sécurité devant. Peut-être une ronde s'ils veulent. Et est-ce qu'on mettrait pas, chérie, les. Comment ça s'appelle ? La musique et tout ça au niveau de la piscine ? Tu veux une estrade au niveau de la piscine, pas au niveau du terrain de tennis ? Je sais pas, ils peuvent installer les estrades ? Piscine, ils ont pas de la place, je pense. Piscine, faut aller voir, on va aller voir. Et je vais avec la comtesse et voir la piscine et si on fait pas la fête là-bas. Tu vois l'envoyé du cartel, je m'en bats les couilles. Tu veux qu'il fasse quoi, une photo d'un gars contre un mur ? Oui. En soi, on s'entend pas, non ? Ouais, donc tu m'as dit Black Cat, piscine, s'ils veulent. Et ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent ça avec piscine, bouffe à volonté, on paye. Bah ça oui, je me doute bien. G6, t'appelles Monsieur Badger ou je le fais ? J'essaie d'avoir Badger, il répond pas. Ok, bon je verrai demain au pire. Ça serait bien qu'on arrive à les avoir ce soir pour valider ça. Monsieur Chin est d'accord, il en parlera. Ok. Et je vais faire... Justement c'est Monsieur Chin qui me fait la liste des véhicules uniques de la ville pour la semaine prochaine. Nickel. Tu vois si les gens sont là, ça fait un bel endroit pour faire les fêtes, non ? Ouais mais est-ce qu'il y aura de la place pour mettre de l'estrade pour les gagnants ? Et c'est pour ça. Les gagnants, je sais pas, on s'en fout, c'est plus l'estrade musique que je veux. Ouais, la piscine, t'auras pas de place, je pense. Ok, des places, au pire, si, à gauche, là. Ah oui, j'avais oublié cet endroit. Si tu la mets au fond, là-bas, au fond. Au fond, les gens peuvent faire la danser, jouer dans la piscine. T'as fait une poule partie. En fait, tu fais monter un camion ici, un camion, l'estrade musique et un camion pour la bouffe, non ? Ouais, je vais voir avec Monsieur René ce qui est possible. Un garde ou deux groupe 6 ? Bah, combien de mecs de groupe 6 ? Je sais pas, 2, 3, 4, 2 à l'entrée ou 1 à l'entrée, 1 ici ? Non ? Ouais, 2 piscines. Je vais voir, au pire, je verrai avec Monsieur Badger si j'arrive à voir ce qui est possible. Monsieur Miguel. Seigneur Parnasse, comment allez-vous ? Ah, bah, Monsieur Parnasse, nickel. Impeccable, comme pour lundi. Ah oui, on est lundi. On est lundi. Après le week-end, c'est lundi. Des merdes. On est d'accord. Je vous appelle parce que j'aurais besoin des services du Black Cat pour demain. Il est là. Hein. Demain ? On arrive. Je vais prendre un peu au dernier moment, mais j'aimerais organiser une petite fête pour remercier Monsieur Chin
et pour les rallyes et féliciter les vainqueurs et tous ceux qui veulent passer à cette fête. Et c'est une fête pour une soixantaine de personnes maximum. Et ce sont des... Et il faudrait un camion Black 4 pour la nourriture. Mm-hmm. Ainsi que, est-ce que vous pouvez installer un si peu de temps du son? Non, j'aurai pas le temps. Et au moins juste une enceinte avec de la musique. Le problème c'est que demain moi je suis pas là. Votre femme? Mais elle risque d'être occupée aussi. Et là-dessus, il n'y a que nous qui savons gérer les choses de manière plus ou moins convenable. Donc c'est un peu compliqué. Mmh. Les difficultés, c'est que à moins de 24 heures là comme ça, en plus, on a des choses un peu prévues déjà d'avance. J'imagine. Et c'est juste que je voulais organiser une petite fête et c'est vrai que ça manque de musique. Et plutôt que de prendre un DJ loco, ça quoi. On est d'accord, c'est toujours le souci. C'est pour à quelle heure votre fête? Juste après les rallyes. Et c'est où? Chez moi, à la villa. Il n'y a pas des flics sur les hauteurs. Vu ses connexions avec la police, c'est capable de les appeler. J'ai déjà à peu près l'emplacement qui pourrait être intéressant. J'ai un parking et je comptais faire appel à G6 et pour les sécurisations. Sauf que les unités ne soient pas importunées. Comment je peux faire pour essayer de... Vous mettez ça tout en étant absent. Je peux essayer de voir pour mettre une enceinte sur timer. C'est pas mal, c'est plutôt juste même de la musique de fond. Il faudrait, et après il faudrait que je vous envoie des photos. Il faudrait, ma femme saura, mais monter un camion de chez vous, une camionnette. On veut faire ça au niveau de la piscine, comme ça les gens se garent en bas et puis montent à la piscine pour la fête. Ça c'est pas un problème, entre guillemets, là. Avoir une personne qui est capable de venir faire le service chez vous, ça c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en tant que tel. Je suppose qu'il faut de l'alcool. Oui, alcool, nourriture, tout à volonté. Je paye tout à la fin de la soirée. Une note et je paierai pour tous les invités. Oui, d'accord. Et ça, vous avez une idée de l'heure à peu près? L'heure est, je ne sais pas. Il faut que je demande à Monsieur Chine et à quelle heure ça finit. Je demande déjà à mes hommes. Qu'est-ce qu'il y a comme annonce là-dessus? 21h le début de la finale et ils font 3 tours chacun. 21h le début de la finale, 3 tours chacun. Pour mon avis. Je le demande. Les garçons, vous êtes 23, demain, ouais. Demain, c'est quoi à peu près? Vous finissez vers quelle heure? 23h? Je sais pas, moi. Hannibal, 23h? Ouais, 22h. Il y a à peu près pourquoi 2h à peu près? Si on dit la soirée ici, 23h, c'est bien? 22h30, c'est d'accord en deux, non? 23h, c'est bien, oui. 23h, c'est bien? Allez, 23h. Ouais. 23h, monsieur Parnassé. Ok, alors, alcool plus nourriture. Et une petite enceinte, après il faut espérer qu'il y ait un beau temps parce que putain. Ouais, ça c'est sûr, oui. Ça c'est pas gagné. Je peux passer ce soir pour regarder pour l'enceinte ou pas? Bien sûr, je suis pas chez moi actuellement, mais j'y serai d'ici une vingtaine de minutes, une demi-heure peut-être. Parfait, ça devrait aller. Allez, je vais passer aux zombies de toute façon déposer. On dit 23h à la maison et. Ouais. Allez, on fait comme ça, à tout à l'heure. On fait comme ça, pas de soucis, à tout à l'heure. Monsieur Parnasse passe à 23h pour voir pour la fête. Je me demande si 22h30 c'est pas mieux. Bref, il faut qu'on voit avec Monsieur Chine. 22h30. Qu'est-ce que tu dis? Attends. Milo, qu'est-ce que tu dis? Il dit 22h30, mais il est déjà 34. Non, pour demain. Demain, ok. Je sais pas si vous en avez pour plus d'une heure et demie, mais Hannibal. Moi je pense que si on fait 2 minutes par tour par partie. Au pire on fait 22h30 et puis s'il y a des retardataires, il y aura des retardataires. Une heure, si on fait tout à la chaîne, donc je pense 1h30, 2h c'est bouclé. C'est moi qui rentre. 2h grand maximum. Si ça prend plus de 2h, c'est qu'il y a vraiment un problème sur le truc, tu vois. On fait 2 minutes par tour. Okay. On a 3 tours et on est 10 participants. 2 x 10 c'est. Donc ça fait 60 minutes de run. Avec les temps de latence, je pense qu'il y en a pour 1h30. Si ça dure plus longtemps, c'est qu'il y a 2h30, c'est pas mal. Ok, bon, on va voir ça, vous m'y faites penser. Et pas de soucis. Ça, je vais voir ça. Ça va être bien. Il faut que vous trouviez un costume, ou peut-être comme ça demain, je sais pas, je réfléchis. Ils sont bien comme ça. Vous sentez bien comme ça, c'est bien comme ça. Bon, il faut encore que j'arrive à voir G6 pour la partie. Et c'est dur, Mike, de faire de la politique. Hein. Oui. Oh. Ça me donne déjà mal à la tête. Comment s'appelle lui? Nia Olsen. Ah. J'avais oublié lui. Nia.
comment ça va? Appelle-moi sur le téléphone. Bof bof, mais ça peut aller. Bon, bon, tu sais pourquoi on veut te voir? Je sais. Dis-moi. Basiquement, avec les messages de Mike, parce qu'il y a des gens du syndicat qui ont encore plus parlé. Et aussi le fait est que je me suis barré quand vous avez ordonné au syndicat de me séquestrer. Et une info précisément que j'ai fini. Je vais t'écouter. L'info précisément que j'ai filé, c'était la fameuse taupe, entre guillemets. Et c'était ça. Et après, j'ai parlé avec Mike pour la simple raison qu'il y avait Bill Ups qui m'avait appelé et il me disait comme quoi j'étais en danger. Et que ça se savait, quoi. Et donc, nous, on a creusé. J'ai essayé un peu de la mettre en l'envers à Bill Ups, savoir qui avait parlé, et il m'a bien reconfirmé à 2 à 3 reprises que c'était bien Chi, et comme quoi il le protégeait. D'accord, Chi, et qui d'autre? Chi Awase, moi j'ai pas eu plus d'infos, Mike est venu vers moi me dire qu'il fallait que je creuse vers Oli. Oli j'ai creusé, il y a que dalle, en tout cas. Il est pas protégé par les flics, pour moi il a pas parlé aux flics. Dans l'équation, je vois que Chi Awase. Bon, bah aussi. Tu t'es dit que nous on t'appelle, tu viens, t'as pas peur de crever? Si. Ou tu viens quand même? Le problème, c'est le fait est que j'ai personne à qui je tiens. Et le problème, c'est que si je fuis, vous risquez de les traquer. Tu tiens qui? J'aurais passé ça sous silence ou pas? Tu as des solutions aujourd'hui. De toute façon, tu vas mourir, Nia. Ça, c'est un fait. La première... Tu me parles de tes proches, je suis le fringé, tu me racontes tout. Je leur ferai rien. Et tu meurs assez rapidement. Deuxième, tu ne veux rien dire. Et là, je pense que tu es parti pour 3 ou 4 heures avec Hannibal. Principalement, personne de nous. Je suis plus proche, c'est Maiko. Tanaka. Bah allez, viens vers moi. Tu vas aller contre le mur, derrière moi. Les garçons vont te fouiller, vérifier, t'attacher. Les autres vont me sortir 5 véhicules différents. Attention. Zip tie. Ouais, t'inquiète. Ah putain, mais j'ai plus le. Il faut que j'arrive à avoir des clopes. J'ai un message chérie à et comment ça s'appelle? À groupe 6 et fleurs. J'ai appelé Badger, il répond pas. Oui, je... bonjour. Bon, madame. J'ai plus le Novak, ça me casse les couilles. Il y en a qui ont des 4 places. Commercial, il est où ton Novak, Ben? On s'en fout. Bah, je t'explique après. Vous avez déjà le nom. Il a eu un petit souci. Trois suffiront, Jim. Ok. Vous me chargez, vous me l'emmenez dans un endroit où on sera tranquille. Info intéressante, Miguel. Attends, Miguel. Oui, j'écoute.
Oui, bonjour, monsieur Hatman G6. Excusez-moi, je vous mets un instant, excusez-moi. Oui, bien sûr. Il m'a relou. C'est le mec à Maiko. Ah. Sérieusement. Oui, non, mais je vous appelle, j'ai Charles Collins à l'appareil des Charles Collins Import Sport. Oui, bonjour monsieur Collins. Je vous appelle, j'aurais besoin demain soir des hommes des G6 pour faire la sécurisation d'une FET. Oui, bien sûr. Je réalise une FET à mon domicile et la villa Charles Collins Import Sport. Et il y aura les Bénises, les Black Cat et peut-être certains de vos hommes, c'est possible. Et c'est ouvert à tous, c'est pour fêter la fin des rallyes. Et bien. J'aurais besoin d'au moins deux hommes et potentiellement armés 9 mm et, ou plus, si vous que voyez, hein, à l'entrée. Alors, il ne faut pas vous proposer plus que 9 mm, sauf pour des raisons particulières. Non, non, pas des raisons particulières, c'est de la sécurité classique. Et bien. J'aurais besoin des 1, 2 ou 3 hommes, au moins 2, un pour l'entrée, vérification, et, enfin vérification pas des, des gens, juste par sécurité, et un est au niveau de là où se passe la fête, et voilà, si après. Quels sont les, vous avez les tarifs? Bah, c'est ce que j'allais vous dire, monsieur Collins. Je vais transmettre directement à mon supérieur, parce que là, je suis la seule personne en ligne et je ne fais pas les relations commerciales, si vous préférez. C'est moi qui fais les devis. Mais ça, va être, ça peut être possible. Je vais voir avec monsieur Maker Derek dès qu'il arrive en ville. Bon, pas de souci, si vous pouvez laisser un message, et on a besoin de G6 demain soir de toute façon. Et c'est pas qu'une question de prix, tout simplement. Mais maintenant, si entre temps, les prix n'est pas trop dégueulasse, c'est pas mal aussi, non? Oui, mais de toute façon, je viens de l'entendre sur radio. Je vous lui donne son votre numéro et il vous rappelle. Pas de soucis. Rappelez-moi votre nom. Monsieur Hartmann, G6. Pas de soucis. Merci à vous, monsieur Hartmann. Au revoir. Merci, monsieur Collins. À bientôt. Hartmann, comment on t'écrit les G6, c'est... Bah, Hartmann, chapeau-man, je pense. Tu penses, c'est ça? C'est pas Hartmann. Eman. Je sais pas. Et on a M. Collins et M. c'est moi ça. M. Parnassé qui vient 23h. Ouais, dans un quart d'heure. Quoi. Minutes. Ils font quoi? Ils le gardent le temps qu'il arrive ou... Ils l'emmènent où? Je sais pas. La question c'est, est-ce qu'ils font ça pendant que nous on essaie avec M. Parnasse? De toute façon, il faut qu'on donne l'échange. Donc au pire des cas, ils commencent. Ok. Hannibal. Tu l'emmènes, tu trouves un lieu tranquille et vous vous posez, tu commences. Au moins juste, ça te permet de te faire la main tranquillement. Et l'esprit, c'est on arrive avec ma femme. Le temps qu'on voit avec ma femme et Milo, on voit M. Parnassé. Et l'esprit, si on rejoint ou avec Ben, peu importe, on reste à trois et tous les autres, ils vous aident là-bas. Au pire, j'attends avec vous. C'est possible. Ouais, ouais. T'inquiète, Milo, je reste là, t'inquiète. Bah allez, c'est bon pour toi et... Hannibal. Ouais, on va à la chambre. À la chambre? À la chambre. C'est pas le... Me fatigue. Il a plus des lieux pour faire la merde que des lieux pour faire les plaisirs. Bah attends, ce week-end j'ai appris à Mike ce qu'était l'échangisme, alors... Le Mike, il les fait tout le temps, non? Non, il sait pas ce que c'était, oui. Du coup, j'ai décidé, je lui dis que c'était des Didier et des Chantal qui allaient dans une boîte avec plein de Didier et Chantal et s'échangeaient les Didier et Chantal entre eux. Ouais. Oui, c'est des Didier et des Chantal, ils vont dans une boîte et ils échangent d'autres Didier et d'autres Chantal. C'est l'échangisme. Et c'est non, j'échange pas ma femme. Non, mais non. Tu as déjà tous les restes de la ville, pas ma femme. Par contre, je te passe Ben. J'ai un homme marié maintenant, Michael. Ah oui, c'est vrai que t'es un homme marié, j'étais marié, putain. J'avais oublié. Comment ça va avec ta femme? Il l'a vu hier. Bah, écoute, tu l'as vu hier? Oui, on a eu un rendez-vous. Je suis au courant de tout, tu l'as soulevé? Non, il l'a pas soulevé. Non. Avec elle, tu y vas tranquillement, c'est ça? Oui. Oui, voilà, oui. On apprend à se connaître, quoi. Bah allez. Eh ben, elle me trouve bien. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Je lui ai appris ce qu'était un kink aussi. Il voulait lui demander hier soir, je fais un c'est trop tôt, mec. Miguel, tu veux du saucisson? Et... Non. Non, non, c'est gentil, mais je m'en bats les couilles. Saucisson. Non, c'est quoi qui va, toi? J'en ai dans les poches, alors... Torero, c'est joli ça les Torero, non? C'est Luc, il le vend ou l'échange je crois. Je sais qu'il y a la deuxième en bas, je l'ai contacté, je crois qu'il me répond. L'auto Torero. On l'a perdu. C'est les effets de la pâle d'hélice là qui est. Torero. Mais ouais, je l'ai contacté, j'attends sa réponse pour la Mamba.
Et Madame Tatouin va souvent partir du zombicaire et c'est Aaron qui va prendre les parts. Madame Tatouin s'en va ? Peut-être, oui. Peut-être. De ce que j'ai entendu, oui. Et si elle s'en va, les parts sont rendues à Aaron. Il me semble qu'elle est... elle en a un peu marre des distensions à l'interne de l'entreprise. C'est pas les chefs, mais... il me semble. Oui, mais, ouais, mais de ce que je comprends, Mike, il fait un peu ce qu'il fait. Il fait un peu ce qu'il veut, il s'en bat les couilles. C'est dommage, c'est ce que je comprends, ouais. On n'est pas un peu dans la merde si elle s'en va, non ? Bah, le problème, c'est que c'est Aaron qui récupère derrière. Si c'est et Aaron, on n'a plus de véhicule, oui. Oui. C'est compliqué. On risque d'avoir. Vu qu'il oui, il nous porte pas dans son cœur. Et il a une main encore qui s'en souvient, oui. Et. Pareil, il fait comprendre très vite aux autres employés qu'il nous aime pas. C'est ça ? Aaron. Faudrait voir avec Hannibal et Mike, c'est eux qui sont plus au courant de ça. J'ai vu qu'il est devenu quelqu'un qui est très. Dans l'explication. Hein. Ah, occupé. Ah. Non, j'allais justement. Maintenant, je suis homme politique. T'allais vraiment l'appeler pour lui expliquer la vie là ? Non, j'allais vraiment être dans les Aaron et nous avons eu des problèmes et. Non, parce que si tu veux, moi aussi, je vais faire genre, je donne de la bouffe à des pauvres gens et je fais la belle et après je reviens. Hein. Faut faire campagne. Ah merde, j'ai pété mon téléphone. Appelle le 000. Non, c'est le fond. Oh, ça, le fond. J'ai changé des fonds, mais ça marche pas. Je pensais que je pouvais mettre avec bit.ly. Hein ah, faut mettre que j'ai mettre les points. Bit.ly. Bit.ly. Nickel! C'est quoi ton fond d'écran? Avec le Phoenix. Ah! Bon, j'ai me changé. Du coup, c'est vu avec G6 ? Il doit me rappeler, les chefs doivent me rappeler. Ok. Est-ce qu'on ne ferait pas intervenir Human Labs au cas où ? Tu veux Human Labs pour ? Medoc. Si tu veux. Ça, je peux aussi prévoir les EMS. Tu veux que j'appelle les... Comment s'appellent les patrons ? Ashgal, non ? Monsieur Hunter. Ah, tu vois les EMS ? Oui. Ashgal pour les... Bah s'il y a EMS, il n'y a pas Human Labs. Oui, voilà, oui. Monsieur Collins, bonjour. Monsieur H, comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Impeccable. Je vous appelle parce que j'organise demain soir une soirée. Et oui. Au cinéma Magila avec les Beniz et les Black Cat et tous les gens qui veulent venir. Vous pouvez d'ailleurs venir. Et concernant les... la fin des rallyes, vous faites ça. D'accord. Et aussi, je vous appelais savoir si vous souhaitiez détacher un médecin sur place, peut-être. C'est possible. Le potentiel c'est don possible. Du sang aussi. Potentiel don du sang, potentiel et peut-être avant les gens pour l'alcool. Est-ce que vous voulez passer voir les lieux pour voir ce qu'on peut faire ? Quand est-ce qu'on peut se voir ? Je suis disponible maintenant si vous voulez. Là, je suis actuellement en hélicoptère sur une inter. Vous voulez passer plus tard dans la soirée, je vous m'en rappelez ? Le shérif, putain. Est-ce que je peux vous rappeler d'ici 30 minutes ? Eh oui, pas de soucis, à tout à l'heure. Ok, je vous rappelle tout à l'heure, merci. Chérie, parce que toujours plus, j'appelle Bileps. Une unité pour nous sécuriser, après, oui. Après, Bileps peut venir aussi, hein. On peut l'inviter. On va inviter le mari de Jade aussi, Manderme. Et commissaire Bileps, comment allez-vous ? Oui.
Oui, super, et vous? C'est pas moi, j'ai rien fait. Non, juste, je vous précise, d'accord, j'ai rien fait. Mais c'est pas vous, alors, dans ces cas-là, c'est parfait. Non, non, mais c'est pas moi, vraiment. Peu importe ce que vous cherchez, j'ai rien fait. J'étais avec les gouverneurs Hook. Ah oui. Oui, celui qui dit « Bonjour monsieur Collins, je sors pas des gouvernements, comme ça je me fais pas enlever. » J'ai dit « Vous êtes con quoi ?» Il m'a dit « Non, non, parce que... » J'ai dit « Bon, allez, je laisse tomber. » Il a eu peur. Mais il a peur du tout. Bref, et... ouais, il voulait me parler de sa politique et quand les procureurs est arrivé, il a crié « Non, je ne peux pas parler avec vous de la politique, c'est interdit. » Bref, j'ai pas tout compris. Je vous appelle parce que oui. J'organise une soirée demain soir à la Villa Collins et oui. Voilà, je voulais vous prévenir et il y aura du monde. Mais je sais pas. Et en plus des mondes, bon. Il y aura les Black Cat, les Beniz et pas mal de monde. Et ce n'est pas interdit à la police. Si vous voulez passer faire une ronde, c'est pas un souci. D'accord. Même à l'intérieur. Même pour notre. Même à l'intérieur. Et oui, pourquoi je vais vous interdire à l'intérieur? Parce que jusque là c'est toujours été dit quand même. Parce que je pense qu'il faut qu'on remette en place des façons de faire différentes. Je pense qu'il faut qu'on arrive à discuter quand c'est les voir des véhicules à la jumelle qui essayent de nous épier, c'est certain que c'est pas agréable maintenant, et avoir une patrouille qui passe lorsqu'il y a une soirée ou qui passe devant chez nous, c'est pas une problème. À côté du quartier Vagos. Effectivement, à quelle heure ça commence? Et 22h30 ou 23h. J'ai pas encore l'heure exacte, mais dans ces environs-là, 22h30, 23h. Il y aurait dans ce cas-là, oui. Groupe 6 s'occupera de la sécurité, et il y aura un homme groupe 6 devant, un homme groupe 6 sur les côtés de la villa. Et le Black 4 s'occupe de la nourriture. D'accord, très bien. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez dire, encore une fois, je suis quelqu'un qui essaye de rattraper aussi les différentes choses que nous avons pu faire, peut-être pas de la bonne façon. Et qui essaye de remettre en place des... Oui, une forme de dialogue, oui. Au-delà du dialogue et d'essayer d'y mettre en place des bonnes façons de faire, des bonnes façons de discuter. Ouais. Il m'a appelé, c'est vrai, bien parce que je l'avais pas appelé pour retrouver Jim. Un peu l'idée, oui, tout à fait. Bah, écoutez, donc, vous êtes les bienvenus, commissaire Dumé, avec vos hommes, avec une patrouille, c'est pas un problème, je n'ai rien à cacher. Pas de soucis, c'est noté, on passera du coup. Je vous dis à demain, merci et commissaire. Bonne soirée. Il pas mis sur le cul. Donc, du coup, en invité, on a Bilop, c'est ça? Oui. Ah si, pour vous dire, j'ai invité Bill Ups et ses hommes demain à la soirée. Il m'a dit, comment ça on a le droit de rentrer chez vous? J'ai dit, oui, vous pouvez faire rentrer une patrouille, y a pas de problème. Et quasiment tout le temps, vous pouvez passer devant chez nous. Il était pas prêt. Il a pas vu venir la politique. On n'aura pas un problème de personne? De personne? Et pour que les gens se garent, on fait comment? Est-ce qu'on demande des navettes au taxi pour qu'ils se garent à une IV et qu'après on les rapatrie ici? Bah, oh, putain, c'est vrai. Les premiers se garent là, les autres se garent dans la rue devant, non? Mais en cas de tempête? Bah, c'est pas mon problème, en cas de tempête, il faut une demande de source. T'as une Milo, t'as une visu dessus ou pas? Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est la secondaire qui fait le tour du quartier à chaque fois. Hein. Beniz. J'invite le shérif, attends. Ah, merci. Ah oui. Derrière l'espèce de gros château d'eau, mais il a pas l'air de regarder dans la direction. Shérif O'Brien. Shérif O'Brien, comment allez-vous? Encore félicitations. Merci. Bien. Je suis au boulot, là. Ça bosse. Dites-moi, qu'est-ce que je peux pour vous? Et je souhaitais vous inviter demain soir. Demain soir? Vers quelle heure? 22h30, 23h, j'organise une fête pour fêter la fin des rallyes. D'accord. Plein de monde sur une prison, notamment le commissaire Bileps, et le Bénise, les gens du rallye, groupe 6, et... D'accord, une fête. Une fête est standard. Et si d'accord. Vous souhaitez, je souhaitais vous inviter à la Villa Miguel et Vita Collins afin de pouvoir faire connaissance. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire connaissance et de vous faire visiter chez moi. Bah très bien, j'essaierai. Mais j'ai un gros truc demain soir. Mais j'essaierai. D'accord, et pas de soucis. Si vous pouvez passer, vous passez. Si vous ne pouvez pas, vous ne passez pas. Allez? Bah, y a pas de soucis. Et bah merci, monsieur Collins. À bientôt. À bientôt. Le site est bizarre. Ah, tu m'étonnes. Lui aussi, il a fait presque caca culotte quand tu lui as dit qu'il pouvait venir. Pour rendre un RPG ou leur dire on va tous vous tuer, donc ça doit leur faire tout drôle, ouais. Il est plein en deux étapes. Zombie car. Quoi, zombie car? Faut les inviter aussi, non? Je vais inviter madame Tatouine. Peut-être qu'elle va vendre ses parts. Peut-être. Tu veux pas?
Évitez tout ce que vous voulez. Et 60 maximum. Il faudra qu'on fasse les comptes. Eh bah c'est ça, justement. Ouais, ça fait 60 beaucoup, et... Hein. Combien maximum? 64. On est déjà 12. Donc 52. Ils viendront. Il y a un type qui s'est posé au champ de pétrole là avec un camion. Il est sorti de son camion. J'inviterai Dr Deacon et Gabriel là. Ah, pute, j'ai pas entendu. Demain soir. À côté, il y a un petit champ de pétrole. Il y a un type qui est arrivé avec un camion. Il est sorti de son camion. Là, il est dans le champ. Ok. Vous faites pas ce potin. Ouais, boss. Comment ça s'est passé? Là, j'ai fait des éventails avec ses mains. Comment ça t'as fait des éventails avec les mains? Bah, j'ai pété les doigts sur le côté, et quand tu les mets l'un à côté de l'autre, t'as l'impression d'avoir les éventails asiatiques, là. J'aimerais bien que tu le gardes en vie avant que j'arrive. Ouais, pour le moment, ça va. Non, parce que si le gars, il fait plus que de l'air en faisant... Bah là, il respire fort, mais il peut encore parler. Un peu, oui. Est-ce que tu connais l'histoire des... Et ces deux culs qui se croisaient. Il y a l'un qui dit à l'autre qui fait « T'as pas l'air bien toi, ça va ?» Il lui dit « Putain, Nibal, c'est pas bien ce que t'as fait. Tu peux pas dire la blague avant moi ? Tu m'en racontes ?» Ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas, Nibal. Tu sais ce que je devrais faire là ? Te retirer cette personne et laisser quelqu'un d'autre les torturer. Tu sais que je devrais faire ça ? Ou venir et moi les torturer. Tu dirais « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit alors, tu racontes une blague à ma place, Hannibal ? Je suis désolé, boss, mais celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai pas pu m'empêcher. Hannibal ? Oui. Ah, j'ai accroché. Nickel. Tout va bien. Bon, monsieur Parnasse devrait être là. Les bâtiments de chez moi. Il va pas tarder. Il devrait arriver là, il est 23h. Oui, 23h. T'as entendu Nia, c'est le mec de Meko. Oui, j'ai entendu. Ouais. Aïe aïe. Des histoires. Le problème, c'est qu'il a dû envoyer des SMS. Ouais, il y a un monde où il a dû envoyer des messages pour le dire. Fais ce qu'il faut, je veux savoir les derniers SMS qu'il a envoyés et à qui. Ok. Monsieur Haché. Monsieur Colline, on revient d'intervention. Ça vous dérange, je reviens avec le médicoptère? Non, non, vous venez avec le médicoptère, vous vous posez sur la pelouse. Vous vous posez sur la pelouse? Ouais. Alors, ça me fait rire. Ah, tu m'étonnes. Aujourd'hui, on fait une fête à la fin du rallye, venez. Ah bon, ah, ok. Non, mais tu sais que Deacon, il m'a dit. Médicoptère qui se pose sur la pelouse. 58, ça marche. Rigole. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, on se fonde plus dans la masse. Et donc là, j'ai autorisé la police à faire des rondes devant chez nous au besoin, à rentrer s'ils klaxonnent, ce genre de merde. Médicoptère qui se pose chez nous, tu vois, rien foutre. On a un terrain qui est immense, on a les maisons qu'on veut, on a un complexe et on a moyen de tout camoufler dedans. Ça n'empêche pas que, tu vois, politiquement génial, j'ai invité les commissaires et les shérifs demain. C'est génial, là, et derrière, on tue les mecs. Pff, rien à foutre, ça passe. Plus on va être malin, plus on va monter. Allez. Il faut juste rajouter des civils à ça et puis on sera bien. Quitte à justement aller à la Syrie et dire à ceux qui veulent un endroit où dormir, mais qui peuvent dormir chez nous. Ou c'est trop touchy? Un peu trop. Que les gens viennent quand il y a besoin, quand il y a des fêtes, c'est une chose. Que les gens se pointent à n'importe quel moment, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, s'il faut qu'on paye les motels des gens, on les payera. C'est fou, les marges, en effet. Ouais, ok. Donc tu vois ce que je veux dire? C'est comme pour la fête demain, on va prendre sur la caisse noire et on va les couilles. Ok. Demain, il y aura même les médecins qui seront là. Ils arrivent là en hélicoptère. Yes, je serai aussi demain. Ouais. Tu fais les points avec les autres, tu me fais penser quand si moi j'y pense pas, qu'on parte là-dessus, que personne se dise tiens, j'y tire sur tout le monde. Donc il faut faire attention des moins sortir armés. Ouais, ça marche. De toute façon, on a qu'une AK là de sortie. Okay. On se le termine et puis on vous rejoint ou... Non, j'aimerais voir la fin, je veux savoir tous les SMS qu'il avait. Ok, ça marche. Voilà, on va savoir à qui il a envoyé et ce qu'il a envoyé. C'est-à-dire, est-ce qu'il a pas dit je vais chez la mano, pour moi c'est terminé. Ouais, je te laisse, les médecins. Vas-y. Docteur! Bonsoir! Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Impeccable, impeccable. Et vous n'êtes jamais venu, peut-être? Jamais venu, sinon. Ah, non. C'est les villas collines, c'est là où j'ai mis les sociétés, mon entreprise, mais aussi les maisons. Et une petite bicoque. D'accord. Bon, un peu. Vous avez un jardin zen derrière? Plutôt sympathique. Fais gaffe, ça glisse là-haut, tu Une piscine est là-haut.
Le terrain était ici. Et Gomilo. Et un petit parking. Bon, et accessoirement, là où on est port. Oui. C'est là où vous êtes posé. C'est la plus. D'accord. Exactement. Et je voulais vous voir parce que demain, je réalise une soirée, je vais en réaliser de plus en plus. Et en honneur des Dubénisés et des. Et bonsoir. Des coursiers. D'accord. Exactement. Et je vais faire. Attends, je vais accueillir Monsieur Parnasse si vous en mettez pas. Comme ça, j'ai fait la visite pour tout le monde. Du coup, Boss, j'ai la réponse. Il a envoyé un cœur à Maiko. Allez, nickel. Ouais, Monsieur Parnasse, Madame Parnasse, comment allez-vous? Bienvenue. Et bonsoir. Impeccable et bienvenue. Il est et... J'ai une question pour vous. Dites-moi. Il est avec les Parnasse. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle fait un peu trop OM? Et... Ah, la voiture. J'ai regardé votre femme, excusez-moi. Ah non, mais... je ne comprenais pas, il n'y avait pas des bleus. J'étais là. Et... Non, j'aime bien comme ça. Non. Ok, d'accord. Non, il est chouette. Non, non, il est pas. Et en fait, le bleu est suffisamment terne. S'il était plus flashy, ça aurait fait dégueulasse, mais il est suffisamment terne pour que. Je coupe la radio. Hop. J'espère qu'un jour, elle tombera en panne, cette radio. Comme ça, les gens arrêteront de me niquer la tété. Ça serait bien, ça. Hein. Oui. Bref. Moi, de toute façon, c'est simple. J'ai plus de radio. C'est vrai que les téléphones. Je n'utilise plus. Oh. Je... Voilà. Au pire, une radio pour les forces de l'ordre, et puis c'est tout. Au pire, en fait, rangez-les, ou je... Oui. C'est pas faux. Oui, je... oui. Vous allez bien? Impeccable. Je suis désolé de m'y prendre au dernier moment, mais mes hommes me disent que c'est demain soir, la finale. J'ai vu Monsieur Chin. Et avant, j'ai vu les Monsieur le gouverneur Hook, avec qui ça s'est moyennement bien passé. Il restait dans les... Comment ça s'appelle? Les gouvernements, ils disaient « Non, je sors pas, vous allez m'enlever ». Ah, j'ai dit, mais non, je veux discuter des politiques, justement. Il m'a dit, ah oui, d'accord, bah rentrez, on va en discuter. Il dit, je veux parler de votre programme. Oui, 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 pas de problème. Et le procureur est arrivé, il s'est mis à crier, non, je ne peux pas parler de mon programme. Je n'ai plus le droit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Bref, ridicule. Ah oui. Entre lui et son épouse. Oui, il a peur de se faire niquer, en fait. Je sais pas. Je sais que c'est interdit après de parler de son programme. Non, en fait, c'est pas interdit. C'est interdit de faire campagne publiquement. D'accord, je n'ai pas tout compris. Bref, c'était compliqué. Et donc, oui, ce que j'aimerais, c'est que demain ici, ce sera les parkings. Groupe 6 va faire la sécurité à l'entrée. Il y aura sûrement un parking devant. Vous me disiez, pour une soirée, l'idéal, c'est d'éviter de dépasser 60 personnes. 80. D'accord, donc on peut aller jusqu'à 80. Alors, il y a plusieurs aspects. Si vous êtes sûr de tous bien vous voir, 60, c'est très bien. D'accord. Vous pouvez monter à 80. Ça, c'est la limite auquel nous, on dit à un moment, au-dessus de 80, c'est pas une bonne idée de monter à plus parce que ça commence à devenir tendu au niveau du nombre de personnes et puis tout ça, et puis c'est chiant, quoi. Il y a trop de monde, voilà. Une soirée au-dessus de 80, ça devient compliqué à gérer. Bon, bah, allez, je vais voir ça avec groupe 6C. Et bonsoir. Voilà, bonsoir. Mais après, pour le reste, en soi, bah oui, 80, c'est vraiment un maximum. Bon, pas de soucis. Et l'idée, je vous montre et je vous emmène au lieu où j'envisageais la réception. Vous me dites ce que vous en pensez. Allez-y. Parce que là, c'est un et peu. Bonsoir, mademoiselle, c'est pas droit. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, mais je manque à mes obligations. Je me suis dit que c'était l'idéal de prendre G6 en sécurité. Oui, bah c'est leur ce boulot. Qu'on fait, nous, oui. Et puis oui, ils sont. Ouais. Vous savez bien, ils sont payés pour ça, mais oui. C'est exactement ça. Et bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien, Ben? Ça va et vous? Ça va, Alex? Oui, ça va. Bon, docteur, je vous amène aussi pour vous montrer les lieux de la réception. Oui. Ok, on vous suit. Donc les gens seront garés là-bas, sur le parking, et sûrement un parking en face de la villa. Il y aura un homme de groupe 6 et devant, qui par sécurité fait la sécurité, et un homme de groupe 6 au niveau de la piscine, là où il y aura la réception. Ce qui veut dire que là, il faut qu'on puisse faire monter en fait un camion de Black Hat par le petit chemin. Normalement, ça passe si on va pas trop vite. La question qu'on se pose avec René, c'est de savoir si on prenait un rumpo ou une mule. Passons par ce chemin, vous me direz si ça passait. Donc il faut passer ici dans l'herbe, c'est pas très grave, les jardiniers refera, c'est pas un souci. Ça passe, les deux y a un monde, la mule elle passe, mais elle passe large, hein. Il y a moyen. Oui. Les deux passent facile. Hein, là. Oui. C'est plus une question des... Je sais pas combien... C'est toujours dur de savoir combien de personnes on attend aussi, ça évite à vos hommes de faire des allers-retours. Et... Maintenant, les buts, c'est... La soirée commence, c'est... Vous avez un tour des peut-être 22h30,
Je sais pas trop comment la course va finir aux alentours des 22h30. Ça, il faut voir avec René. De toute façon, à mon avis, il sera sur la course. Donc, au pire, vous lui dites si la course finit plus tôt. Et, on va bien voir. Pas de soucis, hein, Ben. Bon, l'idée, c'est de mettre en place juste après les... Donc, l'idée, c'est de les passer ici et de se caler par la suite. Donc, il y aura un homme des groupes 6 aussi qui sera au niveau de la soirée en cas de problème. Et quelqu'un qui s'incrustera à la soirée vu qu'on n'a pas des barrières. Ce qui n'est pas très grave. Et... Donc l'idée c'était vraiment de venir mettre et ici la partie musicale et nourriture. Mm-hmm. Comme ça les gens prennent tout le reste de la piscine pour faire la fête et se baigner s'ils le veulent et autres. Avec une vue plutôt sympathique et je verrai pour mettre peut-être un homme des groupes 6 sur la pointe et un deuxième par là. On va regarder ça. Ça va être bien ça. Plutôt rock ou plutôt classique? Thierry? Électro. Un petit classique. Ça, c'est plutôt ma femme qui va décider si elle a du goût. Musique. De notre couplet. Rock ou classique? Moi je dirais rock, mais rock ça plaît pas à tout le monde. C'est pas le souci. Classique électro, je pense, monsieur Parnas. Ça plaira à la majorité. Ouais, il faut que je change alors. Hop. Toc, toc. Hop, on va profiter, faire quelques tests son. Est-ce que ça c'est bien ou est-ce qu'il faut plus fort? Trop plus fort, j'ai peur que les gens s'entendent pas. Ah, c'est ouais. Toujours... C'est la complexité de la musique. J'entends rien, oh là, je suis sourd moi. Non, non, vous entendez pas? Non, c'est un, si. Ah, j'entends si, moi je l'entends, moi. Moi je l'entends pas. Si, ah, j'entends. Ah oui, là j'entends, ouais. Ah. Et la question, c'est, là, j'entends. C'est un peu jusqu'où ça peut aller. Oui. Chez vous, ça se connaît pas le. Ah, vous les contestez, monsieur Barnas? Ouais, vous pouvez regarder un peu. Mais. T'entends pas, là? Il y a de la musique, là? Moi, j'ai pas de musique, moi. Ok, moi j'en ai. Ah, là, c'est, bon. C'est de la guitare, là? Oui. Ah, bon, plus, ce que j'aime bien avec les musiques et les blackouts, vous savez que c'est des MC Free, toujours. Ah oui, ça c'est important, oui. C'est enfin quelqu'un qui comprend mon bonheur. C'est important, ça, oui. Ah oui, j'entends, oui. Ah oui, c'est balèze. Jusqu'au terrain de tennis, on entend Monsieur Parnas, du coup. Quel ça, c'est bien, hein. Ça, c'est ouais, mal. C'est... Ah ouais, c'est nickel. Ouais. Est-ce que le volume est assez bon ou est-ce qu'il faut le monter un tout petit peu? Je vais montrer un peu, moi. Ah ouais, un petit un peu. Un tout ouais. Petit peu. Ah, on va essayer celui-là. Le chat, est-ce que vous entendez un peu ou pas? Là, c'est bien, là. Enfin... Là, t'en penses quoi du son, Kim? Ça me paraît correct. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est rock ou est-ce que c'est électro? Le problème, c'est que les musiques d'ambiance, c'est bien d'avoir du comme ça. Mais si on veut que les gens dansent, c'est vrai que l'électro, c'est pas mal. Hein. Et s'il y a trop tôt d'électro. Ça, c'était plutôt la playlist électro. Hein. D'accord. Et celle-là, c'est plutôt la rock. Merde. Le problème de la rock, c'est que. Je monte le volume. Oui, mais excusez-moi. Charles Collins, j'écoutais. Monsieur Collins, bonsoir. Alfred Maker, groupe 6. Ah, Monsieur Maker. Je vous appelle, vous avez eu les informations de votre collègue? Oui, tout à fait. Il m'a parlé d'une soirée que vous vouliez organiser, c'est bien ça? Demain soir? Tout à fait, demain soir. Je suis avec Monsieur Parnas actuellement, les EMC, pour vérifier D'accord. un peu l'endroit. J'aurais besoin des 2 à 3 hommes et des groupes 6 pour la protection, enfin, la sécurité du lieu, et pour les invités. Et il y aura environ 80 invités. Et okay. J'ai besoin d'un homme à l'entrée. Un ouais. Homme au niveau où ça se passe, c'est peut-être un qui fait des rondes sur les lieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, pourquoi pas. Bah, éventuellement, est-ce vous que je passer pourrais passer... Ouais, voilà, passez maintenant, oui. Est-ce que je peux passer dans 20 minutes, ça vous y a dans parce que j'ai 2 rendez-vous avant. Disons 23h30, 40, on se rappelle. Ouais. Mais oui. Je le ferai, j'ai juste une petite course à faire entre les deux.
Ok, ça marche. Pas de soucis. Rappelez-moi votre nom. Maker, M-A-K-E-R. Pas de soucis. À tout à l'heure, monsieur Maker. À tout à l'heure. Et chérie ? Oui ? On a rendez-vous avec monsieur Maker des G6 tout à l'heure d'ici une demi-heure. Ça marche. Il viendra voir pour la sécurité. Ça marche. Elle veut plus, hein. Sympa ça, quand ça va plus. Pour les médecins, j'avais eu l'idée de les mettre sur la terrasse à côté des escaliers. Comme ça, normalement, tout le monde est obligé de passer par là. Par le don du sang ou autre, les proposer. Vous, docteur, et oui, vous pourriez faire les dons du sang, profiter qu'il y ait du monde pour peut-être aider les stocks de la ville, non ? Oui, oui, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Donc vous envoyez, oui, en début de soirée, une unité médicalisée. Après, ça ne sert à rien de s'éterniser parce que dès qu'il y a consommation d'alcool, les dons du sang sont plus possibles. Donc, je pense que pour le début de la soirée, oui, ça peut être intéressant. Et de toute façon, ont été invités aussi les shérifs et qui passera sûrement les commissaires aussi. Vous avez besoin de beaucoup de place pour vous installer ou pas ? Deux places de parc idéalement. Ouais. Une place de parc pour le véhicule et puis une place pour. Deux. Ok. Deux places de parc. On pourra mettre deux de nos voitures le temps qu'ils arrivent quoi. Après, on peut vous installer sur l'herbe aussi, hein, si vous le souhaitez. Ouais. Comment ça. C'est plus simple d'être à côté du véhicule. Avoir des pertes de conscience de plus en plus fréquentes. Justement, avec le véhicule. Bon, il faut qu'on se dépêche. Je suis avec les Black Cat et les EMS. On est au niveau du groupe 6 après pour préparer la soirée. Il va falloir, Hannibal, de toute façon, qu'on apprenne à jongler entre l'image et des vous êtes tous les bienvenus chez nous, c'est la fête et on est génial. Et on attrape des gens, on les tue comme tu es en train de faire. Donc, okay. Plus vite, tu peux me les tenir. Tu penses combien de temps qui crèvent ? Je sais pas, encore 5 bonnes minutes, mais tu peux pas décaler le rendez-vous avec groupe 6. Groupe 6, je peux décaler. Le problème, c'est que monsieur Parnasse fait des tests là, pour la musique. 5 minutes. Okay. Bon, j'arrive en personne. Comme il y avait eu. Bah c'est tout, on passe sous le porche. Ah oui. Si, vous avez sous les porches là, sinon, ouais, voilà. Oui, si jamais vous avez le porche juste là, c'est pas le souci. Chérie, je te mets un instant. Est-ce que je peux te laisser voir avec les médecins et les Parnasses? Je dois absenter malheureusement 5 minutes. Vas-y, t'inquiète. Aussi. Si vous êtes toujours là à mon retour, je suis désolé, les affaires m'appellent pour l'achat d'une société potentielle et je dois faire un aller-retour malheureusement et je reviens ici 5-10 minutes maximum. Okay, et si vous n'êtes plus là, je tiens à m'excuser de ma non-présence et je serai très heureux de vous voir demain si vous êtes là. Avec plaisir. Pour les factures, monsieur Parnasse, n'hésitez pas, vous faites une facture globale et. Mais non, vous me tracez sur la note? Impeccable, sur la note, c'est très bien. Bah allez, pas les soucis. Et à tout à l'heure. Au revoir. Putain. Au revoir. Dis-moi. Je me mets en route, j'arrive en moto. Je suis là dans 3 minutes, le temps de me changer. Ok, fais attention à toi sur la route. Ouais. Je veux pas conduire, envoie-moi quelqu'un vite. Villa. Quelqu'un doit aller chercher le boss à la villa, illico. Mesdames et messieurs, je sais pas si vous aimez, mais alors je kiffe de voir jouer ce double jeu entre la population, tenter de s'insérer. Je sais pas si vous aimez la tournure que c'est en train de prendre, mais moi je surkiffe de ouf. Voilà, je sais pas si vous aimez cette tournure, mais moi je... voilà. Parce que je pense qu'on a suffisamment tapé sur tout ce qui bouge et qu'à un moment donné on doit être plus malin et on essaye d'être un double jeu. Alors ça va se rapprocher pendant à certains moments de RPZ. Maintenant voilà, j'espère que ça vous plaît parce que j'ai vraiment envie d'arriver à instaurer une espèce de mafia
des ouvertures pour les civils qui vont jouer avec nous, des ouvertures. On peut pas taper sur tout le monde non-stop, il faut qu'on trouve une façon de faire. Et là, j'aime le fait que je suis en train de discuter de la soirée de demain et que je m'absente 5 minutes juste pour aller buter quelqu'un, quoi. On en est là. Qui vient me chercher? Ouais, je suis en chemin. Je suis devant la villa, en face. En fait, j'aime beaucoup le côté un peu mafieux d'Al Capone, un truc comme ça, tu vois. Et je me dis qu'alors, l'accent de Miguel, forcément, avec le temps, tu vois, il bouge, c'est normal. Alors, pour certains, je leur répondrais que les gens s'américanisent à un moment donné ou se francisent, ce qui est normal. Maintenant, j'ai envie de... Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, on peut pas, tu sais, juste en frontal comme ça, comme on le fait depuis des semaines, à la mano, ils en peuvent plus, ce qui est normal, en fait. Tu peux pas juste aller, passer pour les méchants, tout taper. Ils ont besoin de tout. Donc là, il va falloir qu'on joue, on va jouer avec les gens, on va essayer d'ouvrir le RP, quitte à se faire choper et tout perdre, mais... Voilà, l'intérêt est là. L'intérêt, il est d'arriver à trouver ça. Maintenant, ça va être dur parce que je pense que c'est la bonne manière de se refaire une vision. Maintenant, ça va prendre des semaines. Déjà, en 3 semaines, ils vont pas dire « Ah, génial, la mano, il va falloir du temps, des soirées. » Miguel, t'es parti ou pas là? Et je suis devant la villa, pourquoi? La maison. Les Parnasses s'en vont et les EMS aussi. On peut y aller, on peut... Bah, allez, je suis devant la villa alors et Jim, de façon, il vient me chercher, vous pouvez nous suivre. Vas-y, c'est parti. Je vois Jim arriver. Ceinture. C'est fait. On est parti, chérie, tu sais où on va ou je t'envoie? Envoie-moi, s'il te plaît. C'est shorté. Compliqué de gérer les deux, mais intéressant. Il va falloir qu'on arrive à jongler entre le côté politique et visuel. Ou à partir d'aujourd'hui, les jeunes sont les bienvenus chez nous. Et le côté... On joue pas avec nous, mais on fait ce qu'il faut. Pour ce qui est du Nia Olsen, tu vas le laisser crever? Oui. Je voulais tuer moi-même. Je cautionnerai jamais ce qu'il a fait, parce qu'il a trahi les siens. Et il a balancé à la flic qui sont les pires, mais c'est un mec qui m'avait aidé quand j'étais arrivé en ville. Avec mon oncle, qui m'avait filé 2500 balles pour me lancer un petit peu dans la ville. Est-ce que tu veux t'en occuper toi? Non, je pourrais pas. Excuse-moi. Et chérie. C'est pas la bonne pause? Comment ça? Bah, le GPS ne trouve pas en tout cas. Pablo, envoie les lieux à ma femme, s'il te plaît. Ouais, attends, je vais me garer en attendant. C'est bon, j'ai reçu. Un suite. On arrive. Mais oui, je ne peux pas laisser passer. Tu imagines bien que c'est pas parce que nous organisons une fête pour demain, mais on se doit d'évoluer, Jim, et d'être plus malin. Oui. Je me demande si Lenny n'était pas plus malin à l'époque, je ne sais pas. J'ai dû faire une suite de choix et des fois ces choix sont compliqués. Je sais que si on continue d'y aller de face, la peur est assez simple, c'est que l'un de vous y reste. Jim, c'est toi? Ouais, c'est moi. Ça va bien les bérets, non? On est à 3 km, on arrive. Ouais, c'est pas mal, c'est levé bien, Christophe. Et se trouve que les bérets, ça va super bien. Vous avez un style avec ça? Christ, un style comme ça? C'est nickel. C'est putain, mais il arrivait quoi, ces jambes? Il a fait des chaussettes. Bah... C'est dégueulasse, c'est...
Bah non, mais regarde, là, t'as les... Il doit avoir super mal, non? Les orteils gauches qui sont dissous. Et là, j'allais commencer à lui écorcher la jambe et remonter, tu sais, comme un porte-jartel. Quand la musique vient. Sauf que là, c'est la peau à l'envers. Ah, oui, donc là, c'est très compliqué. Tu veux voir? Non, oh là là. J'étais en train de voir en plus pour les petits fours, donc tu vois. Je suis désolé, monsieur Nier. J'ai été occupé sur l'organisation d'une soirée que nous donnons demain à l'honneur du Bénizé. Et où j'étais avec les patrons des sociétés, les OMS, afin d'organiser tout ça. Vous savez que dans ma ville, mes règles, et il est important de conserver cela. Je vous ai dit que vous avez été sympathique. Qu'est-ce qu'il y a sur ces SMS? Le dernier SMS, c'est un cœur envoyé à Maiko. J'arrive dans 20 minutes, il y a G6 qui arrive à la ville, là, oublie pas. On nous a également appris que Oli pouvait potentiellement rejoindre les Aztecas. Il arrive à temps. Et que Chi pourra changer d'identité dans un programme de protection. C'est bien, monsieur Nia. Ce qui est bien, c'est qu'on ne touchera pas vos proches. C'est tout ce que j'espérais. Je vous ai promis. Bon, maintenant, il faut que je choisisse qui va vous tuer. Déception. Bon, il faut récupérer son bouquet de fleurs. On lui a donné une parole. Donne-moi ton bouquet. Faut donner à qui les bouquets? Ah, sa meuf. Ah super, bah non, ça non. On va encore avoir des problèmes. Ah, de là va découler plein des merdes, tu déposeras les bouquets par la poste. C'était pas le moment de dire qu'on n'avait pas le filet en main propre. Oui, ah oui d'accord. Plouf, 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 plouf. Qui veut les tuer? Je dois lui faire moi-même. Ah, moi j'ai une manière de le mettre... Non, Jim ne peut pas. J'ai une manière de le mettre en ligne et après on peut l'achever après. Mike, il a Mike tu veux t'en occuper? Ouais, je peux le finir, oui. Je te l'endors avant. Non. Bah non. C'est bien de regarder en face et la personne qu'on tue. On voit dans les yeux les choses et... Ma femme, c'est sa spécialité. Elle aime regarder dans les yeux les gens qu'elle est... à qui elle met un couteau dans les bidets. Parfois, on voit la vie s'envoler. C'est beau. Exactement. Je t'avais un bête de truc avec un aspirateur. Comment ça, un aspirateur? T'avais quoi? Bah, je voulais l'enfermer, tu sais, dans les trucs qu'on met les housses de couette, là. Hein? Je voulais le mettre sous vide. Mike, je suis désolé, je veux voir ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec un aspirateur? Mais c'est une dinguerie. Mais je vais le mettre. Quelle heure, chérie, quelle heure rendez-vous avec groupe 6? Une demi-heure. Mais t'inquiète. On est large! Nickel! Il sera encore en vie après. Dans la suite. Comment? Donc, tu vas mettre une. Comment ça s'appelle? Attends, j'arrive. Filmé plastique. Tant qu'il est plus d'air. Mais c'est une dinguerie. Où est-ce qu'il trouve ça? C'est une espèce d'inspiration quotidienne. Et... Tu sais ce que je me dis? To-do list. Je me dis qu'à chaque fois, les gens se disent « Oui, on s'en bat les couilles, on n'a qu'à faire les foufous, il nous arrivera rien. » On leur dit « Oui, attention une fois. Oui, on s'en bat les couilles, attention deux fois. Oui, vas-y Hannibal, je t'en prie. Attention trois fois. » Et après, ils sont là, je comprends pas pourquoi je vais crever. Mais je l'avais prévenu, non? J'avais prévenu ça, qu'il faut pas parler de nous. J'avais prévenu, c'est... J'aurais fait que l'aspirateur soit quand même bien branché. On aurait pas déconné. Ça serait dommage. Moi, je vais le mettre sous vide. Mais il va crever. Non, à la fin, il va s'étouffer genre 15-20 secondes. Bon, Mike, tu... Ouais, bon, allez, on y va. C'est parti. On est plus à ça après. Toujours plus, c'est... Bah allez, let's go. Ah, ça va durer là, t'as pas envie de jouer comme ça. Ah là, il n'y a plus d'air dans le sac, tu vois. Et là, il est en train de s'étouffer. Mike, abrège ses souffrances. On n'a pas des animaux. Mais c'était intéressant, Hannibal. C'est pas mal. Mais allez, laissons-le là. Mort, bon, c'est je mort. Je récupère mon aspirateur quand même, faut pas déconner. Il récupère l'aspirateur, mais je lui ai promis quand même qu'il... C'est pour ça que ça m'a nuit un peu au Nibal, hein. J'espère que tu m'en veux pas, mais j'ai promis qu'il ne souffrirait pas. Bien raison.
On a rendez-vous avec groupe 6. Donc, il faut vous faire un résumé à la villa. Oh, lumière. Oh putain. Putain. C'est ça, pourquoi on tue les gens dans les noirs? Je sais pas. On n'a pas des endroits où il fait beau? Bah, la prochaine fois, on peut faire ça en pleine campagne. Ah oui, faisons ça en campagne la prochaine fois. Ça marche. Oui, mesdames et messieurs, je vous confirme que c'est une mort RP. Nous avons fait valider plusieurs dossiers de mort RP sur le syndicat qui a beaucoup parlé et qui n'a pas fait grand-chose à part parler à la police. Donc maintenant qu'on les a prévenus trois fois, la mort RP a été validée. Ils sont plusieurs que nous pouvons chercher et tuer. Allez, bah, Jim, on attend Jim. On va y arriver un jour. Jim, faut qu'on décolle de la zone là. Ah ouais, c'est bon, je suis là. Donc comment ça va se passer pour ce joueur? Pour vous expliquer, il va pouvoir refaire un perso. Hein. Il va créer un nouveau personnage en fait. Il est pas ban ou quoi, hein. pendant 7 jours il doit faire une pause et après il peut recréer son nouveau personnage. Donc il garde sa place sur le serveur, etc. Quand il y a une mort RP, voilà. Bon, il faut qu'on voit pour les groupes 6 si c'est vrai. Mais tout a l'air de bien se consolider. Parnasse nous fait la musique. La musique et la facture après. Mm-hmm. Et ok. Les médecins, ça va vous s'installer pour le monde du sang. Il faut peut-être que j'y vois avec Poison News, non? Ou je vois Monsieur Chin? Tu veux couvrir l'event? Je pense que c'est déjà couvert le rallye, mais pas forcément la soirée. Vous faites une indication via. Par contre, on est d'accord que t'as pas demandé de d'estrado, Monsieur Parnas? Non, je demande. Il y aura bien un. Je lui ai pas demandé, moi, donc. Mais il y aura bien quelqu'un qui distribue la bouffe, non? Bah, si, oui. Bah, oui, c'est ça, il faut que je vois avec Monsieur René. D'accord. Il va m'appeler pour les détails. Une ou deux personnes, c'est le souci, on les paiera. Allô? Non, je parlais de l'estrade. Si tu ah non, il pouvait pas. Okay. Trop tôt, trop fin, trop. Il nous met une scène déjà, c'est pas mal. Ok. Oh putain. Tu sais qu'on n'est pas pressé. Hein. Bah oui, mais j'essaie toujours de taper 250 avec, mais j'y arrive rarement. Oui, moi j'aimerais ne pas crever. Avec tout mon amour. Il faut que j'ai fini à pied, c'est ça? Qu'est-ce que tu insinues? Rien, mon amour. Bon, je vais me rechanger. On envisage les garde-robes aussi. Est-ce qu'on conserve ce qu'on a déjà ou pas? Comment ça? Bon, c'est pas mal, tu me diras, les tenues sont belles. La mienne aussi. Ah, tu veux refaire les tenues noires et blanches? Non, elles sont pas mal comme ça. Bon, non, elles sont bien. Le béret est pas mal. Ah, le béret, je l'ai mis parce que sinon, il n'y avait pas assez de blanc dans la tenue. Mais Ben, par exemple, est pas fan, par exemple. J'aimerais bien voir tout le monde en béret. Pablo, ça te va bien les bérets? Non, moi j'ai pas une tête à chapeau. C'est con, je trouve que c'est sympa les bérets. Après, tu peux l'instaurer pour les autres. Non, hein. Oh, si. Je sais pas, faudrait voir. Mais tu vois, sur Chris, ça rend super bien. Moi j'ai une tête de con avec des. Oui, je suis mieux dans mon pyjama. Oui, alors quand j'ai dit, on va faire un point, mais il va falloir, les pyjamas, il va falloir envisager les tenues. Ouais, bah après c'est les tenues quand il y a du monde, on met l'autre. C'est ça. Sur ce... Ah, parce que là, dans ce cas-là, Kim et Jade n'ont pas la même tenue non plus actuellement. Oui, mais c'est pas grave, ça choque pas, c'est des filles. De quoi? Madame Torres qui vient de racheter la totalité des parts du Weasel News. Ça me dit aussi que madame est tatouée, ça va du zombie car, c'est ça? Oui, aussi oui. Il semblerait et apparemment ce serait Aaron qui foutrait en tant que. Son numéro, tatoué. Autre actionnaire. D'ailleurs, en parlant de ça, Aaron il a chopé. Son troisième ticket, apparemment, il y avait une règle comme quoi ils avaient qu'un ticket pour les employés. Ah oui. Madame Tatouin, comment allez-vous?
J'organise une soirée demain soir. Ah, oui. Et je voulais vous inviter, bien entendu, avec grand plaisir. D'accord, c'est volontiers, ce sera à quelle heure à peu près? Je vous en tourne les 22h30, 23h, juste après les rallyes. Et ce sera directement chez moi, la Villa Manon et la Villa Colinse. Et ce sera organisé avec les Bénis, les Black Cat. Groupe 6 a organisé la sécurité. Et voilà, d'accord. Je voulais vous convier, bien entendu, pour venir. Et dans ces horaires-là, et ne venez pas trop tard. Malheureusement, nous ne pourrons pas prendre plus de 80 personnes. Ok, pas de souci. Voilà. Et ce sera avec plaisir, d'accord. J'ai cru entendre au passage que vous vendiez potentiellement vos parts. C'est pas pour vous les racheter, j'ai autre chose à faire, mais j'ai cru comprendre que vous vendiez vos parts à Ron. Hein ? Je vends mes parts à... Quoi ? Alors, hier soir, je suis rentrée d'un week-end assez compliqué et j'étais en mode je jette l'éponge et je vends mes parts, mais c'était plus moi pour vider vos sacs que pour vendre des parts. Si je dois vendre mes parts, ce sera pour Monsieur Martin qui revendra à la suite avec qui il veut travailler, quoi. J'imagine bien. C'est des... Les informations, c'est les employés du zombie car qui ont tendance à beaucoup parler. Et j'aurais vendu... Oui. D'après ce que j'entends maintenant, c'est pour ça que je vous appelle, au-delà du respect, c'est important d'avoir des bonnes informations. Et il semblerait que oui. Et les premières informations que j'ai eues, c'est une histoire... Vous avez des tickets en interne, c'est ça? Pour les employés qui ont le droit à un ticket chacun par rapport à des véhicules, non? Il y a eu au début un par mois, et puis après j'ai dit qu'il n'y en aurait que un à l'embauche, et puis c'est fini. Ah, c'est pour ça. Parce que Monsieur Aron se vantait d'en avoir trois et d'avoir niqué tout le monde. Bref, je pense que ça ne nous regarde pas, mais c'est une autre histoire. Et par la suite, il indiquait à tout le monde et avec vos employés qu'il rachetait vos parts. Et qu'en fait, et vous en aviez marre de la position de Monsieur Martin, et que vous en aviez marre de la façon de gérer de Monsieur Martin, que vous quittiez les zombicars et que c'est sûrement lui qui allait reprendre les parts. D'accord. Maintenant, attention, c'est à prendre avec beaucoup de recul. Oui, vous inquiétez pas. Voilà, pour entre les oui-dire des choses. Parle beaucoup. Mais et je pense que c'est important que vous soyez au courant de cette histoire parce que c'est quand même votre garage et à un moment donné, et il faut savoir ce qui s'y passe. Maintenant, je pense que c'est peut-être Monsieur Aron qui, comme d'habitude, blablate beaucoup à tort et à travers, un peu de tout, un peu de rien. Mm. Je pense que c'est pas un mauvais garçon, juste il a besoin d'attention. Mais merci du coup de m'avoir rapporté ces dires que vous avez entendu. Je vous en prie et je vous trouve. Et ben on se voit demain soir. À bientôt. Ça à demain. Marche. Au revoir. À bientôt. Au revoir. On invite des groupes criminels ou pas demain soir? Pas particulièrement. C'est vu avec Madame Tatouin, donc. Alors, dans l'ordre, elle n'a pas prévu de vendre. Ouais. Si elle vendait, elle vendrait uniquement à Monsieur Martin. Let's go. L'histoire des tickets, tout courant, ça énerve. Monsieur Aron. Monsieur Miguel, vous m'avez appelé. Ah. Oui, je vous ai appelé en effet. Je vous ai appelé pour savoir un peu ce qui s'est passé au Black Cat, aux Omicars. Comment ça? Mais j'entends, d'après vous dire et certains de vos collègues, que vous allez être les nouveaux propriétaires et que vous allez racheter les parts des mademoiselles et Madame Tatouin. Ah, pas du tout. Ah bon? Je sais pas, c'est ce qui vous a... vous avez dit ça et certains de vos collègues ont dit ça à mes hommes. Ah bah pas du tout. Absolument pas. D'accord. Il y avait une histoire où vous aviez les tickets où... Infini, ouais, les tickets. Vous aviez les tickets 3, 4, 5 et vous aviez baisé vos collègues et qu'après vous rachetiez les parts de Madame Tatouin. Ah non, pas du tout. Donc je m'intéressais, je me disais, tiens, une entreprise est à vendre, je m'intéresse, on doit comme l'affaire. Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci, mais Zombicar appartiendra toujours à... Il a jamais eu une flash hier soir. Il n'a jamais été question de ça. Vous n'avez pas vu Jade hier soir? Une flash? Non, je n'ai pas vu Jade hier soir. Ah non, attendez, une flash. Oui, nickel. Si, j'ai rien à voir, j'ai confondu Jade avec une flash. Parce que comme son nom de famille, c'est Flak, je ne savais pas s'il me parlait des Flak ou des flashés. Si, si, j'ai eu une flash GT, oui. Mais c'est jamais vous. Comment ça, c'est jamais moi? Si, c'est jamais vous. Mais en soi, je m'en fous, je bosse pas aux zombicars, mais il semblerait qu'il y ait toujours des dires sur vous, que vous parliez beaucoup et que derrière, ce soit jamais vous. Est-ce que vous êtes ce genre de personne à beaucoup blablater mais à jamais assumer? Ah non, pas du tout. Non, non, mais j'ai eu une flash GT hier soir, mais j'ai jamais été de question que j'allais racheter le zombie ou autre chose. Ou que je voulais racheter le zombie, j'ai pas la prétention de... Déjà, j'ai pas spécialement envie de devenir patron. Mais vous ne voulez pas devenir patron, oui. Non, ça fait trop de boulot, je pense, pour moi. Je suis pas
Je me permets, je ne dirige pas les Omicar, donc vous n'avez pas des comptes à me rendre, et Seigneur Aaron. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. J'étais interloqué, intéressé, que dis-je, et j'étais dans les petits potins, c'est pour ça que je vous appelais, mais maintenant, oui, si non, c'est pas vous, c'est pas vous. Bah là, pour le coup, il n'a jamais été question de ça. Pas de souci. Bonne soirée. Et bonne soirée à vous aussi. C'est pas lui. Bref, bon, donc, je vous fais un point. Et ils ont vu... Donc, groupe 6 va venir pour voir la sécurisation, et Parnas et sa femme sont venus, les Parnas sont venus, ils vont mettre une enceinte demain, qui passera, chérie, quoi comme musique, rock ou l'autre? Electro-chill. Electro-chill, voilà. Et l'idée, c'est pas de faire un concert, si vous voulez qu'à un moment donné, on organise un concert, on le fera. On peut trouver un DJ à gauche, un DJ à droite. Hannibal? Dis-moi. C'est pas toi qui, des fois, j'entends quelqu'un mixer, arriver là, c'est pas toi? Non, je crois que c'est Simon. Ah c'est Simon, pardon, je croyais que c'était toi, c'est pour ça, j'allais dire si l'un de vous veut mixer, mixe. Pas demain soir, mais si on prévoit ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, et j'ai invité le commissaire, j'ai invité les shérifs, les EMS seront présents pour faire les dons du sang. Il faut absolument qu'à partir d'aujourd'hui, vous voyez, on organise régulièrement des événements, qu'on soit amical. Il faut qu'on fonctionne exactement comme ce soir. C'est-à-dire on tape toujours aussi fort, tuer quelqu'un n'est pas un problème, enlever quelqu'un n'est pas un problème. Mais vous voyez, il faut donner l'échange de l'autre côté. On ne peut pas dire c'est la mano quand on est en train d'organiser une soirée, qu'il n'y a aucune preuve, que je suis avec ma femme en train de voir M. Parnas. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le choix, il va falloir qu'on fonctionne. J'ai lu un livre sur Al Capone. Il va falloir qu'on fonctionne sur les mêmes principes qu'est-ce qu'il a créé. C'est-à-dire que les gens ne sont pas débiles, mais les gens ont leur intérêt. Allez. Pour demain soir. Okay. Donc c'est groupe 6 qui fera la sécurité. Monsieur Parnas a dit 60 c'est bien, 80 grand max. Ok. Il dit qu'à 80 c'est short short. Ça marche. Donc il va falloir qu'on voit. Dans l'idée, je vais mettre quelqu'un des groupes 6 au portail. Donc on fera une partie des parkings ici. Ok. Et une partie du parking devant. Donc okay. Si l'intérieur est plein, après s'il faut garer les gens en double fil et jusque là, on peut. Pas un souci. Tant que nous peut sortir les véhicules, on s'en fout, garez-les sur la pelouse, garez-les où vous voulez, non? Autant que ça alors, serve, non? La pelouse, il faut la négocier avec Pablo. Mais oui, on peut les et mettre Pablo, sur le parking là. Et Pablo, je vais doubler les concepts. Les jardiniers, Pablo. Est-ce que... Tout le long du pédiluve, on peut le garer. Je sais pas si nous, nos garages ont une capacité maximum, mais peut-être, on peut peut-être garer le véhicule et puis on prend les tickets, genre, et... T'as envie de faire voiturier toute la soirée et... Je sais pas. Les buts, c'est de s'insérer, de faire la fête et démontrer qu'on est là. C'est chez nous, mais ouais. C'est pour ça qu'on prend le sujet 6 en sécurité. Donc, un membre G6 au portail qui comptera les entrées sorties du nombre de personnes. On lui donnera un maximum, imaginons 70. Ouais. Un membre G6, je pense, là-haut. Donc, toute la musique et la bouffe seront là-haut, au niveau de la piscine. Et je pensais un G6 là-haut et un G6 qui fait l'aller-retour entre les deux. C'est pas mal. Il n'y a pas de raison, personne va foutre le bordel, mais... De bah, là, non. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on invite du monde? Ou pas? J'ai déjà commencé à inviter, moi. Ouais, moi aussi. Inviter principalement les civils, c'est eux les cœurs de cible. Ouais, ouais, oui. C'est ce que j'ai invité que des civils. Maintenant, si des criminels veulent venir, ils sont les bienvenus. Tout le monde est bienvenu. Il faut que... Et c'est aussi ça qu'il va falloir que je remette en place avec les criminels. Il faut que nous ayons de la discussion, on peut plus se tirer dessus comme des débiles. Ça va finir avec des morts. Et si c'est eux qui crèvent, je m'en fous. Si c'est vous, c'est pas la même. Donc il faut qu'on agisse, et lorsqu'on tapera... Comme ce soir, il faut taper fort. On attrape, on récupère, Hannibal joue avec ou l'un de vous, et derrière on tue. Fin. La police, je leur ai aussi dit qu'ils pouvaient passer devant. Pablo, je sais que tu vas faire les crises urticaire, mais qu'ils sont les bienvenus demain soir à l'intérieur, pour une ronde ou autre. Et la police est les bienvenus à passer devant sans problème. Il faut qu'on se rachète une conscience, même si, dans le fond, ils sauront qu'on fait de la merde. Mais il faut qu'on arrive à tourner les choses de telle manière que, même quand on se fait attraper, la police a un sentiment d'affection pour nous. Si elle a un sentiment d'affection, on prend moins cher. Oui. Bon, maintenant, si la police fait chier, pareil. Cagoule, pas reconnaissable, voiture volée, on emmène, on donne un message en mode toi, t'arrêtes de faire chier les criminels, trois petits points, vous tabassez, fin. Dans tous les cas, il faudra continuer comme ça. C'est donc, il faut arriver à trouver les justes milieux. Et je pense que pour ce que vous avez fait ce soir, on n'a pas besoin d'être 17. Non ? 4-5, ça suffit. 4-5 suffit.
Les autres peuvent s'occuper du reste et ça permet, plus on a du monde à la villa, n'hésitez pas une journée aussi, et peut-être ceux de la Syrie qui peuvent passer ici, on les nourrit. Vous voulez qu'on mette en place aussi ce côté-là pour les civils, mettons-le en place pour tous les jours. Si de toute façon il faut faire les commandes, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de dire que ceux qui sont en Pôle emploi, qui galèrent pour les fins de mois, ils passent ici, on s'occupe d'eux. Pas carrément. Faire le boulot du goût en gros quoi. Ouais. On va peut-être négocier avec les Parnas, ils peuvent nous faire des prix sur manger et à boire, par exemple, si on prend en gros. Non, on s'en fout. Non. Non, bon, on a vous avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de donner à chaque fois à chacun 3000 de chaque, mais ils passent ici, on leur file un coup de main. L'idée, c'est ça, c'est de dire qu'il faudrait quasiment, en fait, qu'on fasse attention à ça, c'est que les gens puissent rentrer, sortir d'ici avec respect, mais qu'ils puissent le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Moi aussi. À ce live-là, t'as moyen de contacter un mec pour refaire le portail. Et on avait dans l'idée, en fait, de laisser les portes ouvertes quand, en fait, c'est ouvert. Oui, mais c'est sûr, con, et quand on n'est pas là, on le ferme, tu vois. Mais il faudra un autre portail. Tu veux un portail électrique, quoi. Bah, il y avait un beeper, quoi. Ah, mais c'est l'idée qu'on avait évoquée. Mm-hmm. Non, sinon, je pense qu'il faut faire comme dans l'ancien quartier. Quand on est là, on laisse une commoda garée derrière. C'est ça. Pas. Dites que si, okay. S'il y a une voiture devant, c'est que nous sommes là, ils peuvent rentrer. Mm. Et on sera toujours là. Et en fait, il faudrait trouver les... Mais... Toute la fonctionnalité, il est qu'il faut qu'on utilise ici comment la police peut faire des photos, des films d'activités criminelles si la moitié de la ville se pointe toute la journée. Si la moitié de la ville se pointe toute la journée, que vous faites venir des petites mains, des gens, des connaissances, faites-les ici. On a une piscine, j'utilise la piscine. Donc ici la règle... On écoute là maintenant et surtout on agit avec respect. Pas d'armes, pas d'agressivité. Est-ce que tout le monde est pour? Yes. Ouais. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des gens contre? Monsieur Maker, rentrez, je vous en prie, rentrez. Bah écoutez, je me mets en route et je suis rentrez directement, il n'y a pas de soucis. Ouais, ça marche, à tout de suite. Et en route. Si peut-être un dernier point, est-ce que ton avis ce serait possible d'enlever, enfin de dire à José qu'il peut poser son blouson? Il y a quoi comme actuellement José? Il y a un blouson d'hiver. Il va avoir chaud bichette. Il faut que je demande à monsieur Benson la tenue d'été. Bichette, j'espère qu'il t'a pas entendu quand il l'a appelé bichette parce qu'il va peut-être pas aimer. Je suis pas sûr d'avoir envie d'appeler Benson. Faudra négocier des tarifs avec les Lost ouais. Pour une livraison ce soir, si possible. La partie drogue fonctionne bien, Mike? Ouais, elle fonctionne très bien. Et le problème, c'est que là, on n'a plus rien, on n'a plus de fournisseurs. Faudrait voir avec lui s'il peut nous fournir 2500 de cocaïne tous les 3 jours. Par jour? Il va vouloir voir en livraison par jour. Ça je sais pas, je sais 1700 pas, bah, par jour des... Ils font des lots. Ah, je l'appelle. Faut essayer de voir pour $75 le pochon unité. Ou en dessous. Ou en dessous, ouais. En dessous ça commence c'est à bon, être... C'est bon, tu as réussi à semer la police? J'en ai repris 2-3 là. Ah, t'es toujours au cul avec eux? Bah, ça dépend de la façon que tu dis. Ah. Et je t'appelais pour faire deux choses. T'inviter à une soirée? Hein? Quoi? Attends. Non, mais c'est parce que je atterri dessus, je te rappelle. Bon, il est en train de. Il a atterri sur la police. Merde. Ah, bon, ouais. Il m'a dit je te rappelle. Il a atterri sur la police. Ça va être compliqué, ouais. Ouais. Peut-être qu'il sera peut-être pas là demain. Il doit être la livraison ce soir, ça va être compliqué. Oh, on peut inviter Momo Rambo demain? Let's go. Bah Momo Rambo, ça serait peut-être pas mal qu'il aille chercher le bis des syndicats quoi. Oui mais c'est déjà bien direct leur premier avec les Marabunta, Mike. Ouais. Bah faudrait peut-être leur indiquer qu'il y a un truc à faire et au lieu de s'en prendre aux Marabunta, qu'ils s'en prennent aux Aztecas quoi.
Au syndicat, tu veux dire, non? Au syndicat. Non, aux Aztecas, parce qu'actuellement, c'est les Aztecas qui sont sur les syndicats. Mmh. Ah ouais. Donc, faudrait qu'ils tapent sur les Aztecas et qu'ils prennent le siège chez les syndicats. Je pourrais aller faire venir à la villa tout à l'heure pour leur en parler. Je te garantis pas qu'il ait la tenue d'hiver et soit viré demain. Je sais pas comment. Tu t'as déjà vu qu'Ebenson, je lui envoie un message, il fait ça le lendemain. Mike, tu veux inviter ta femme? Oui, c'est possible, oui. C'est pour toi, moi je m'en fous, c'est la mienne. Oui, oui, je peux l'inviter, oui. Et je partage pas. T'inquiète, Kim. Tenue prévue pour demain ou n'importe. On reste comme on est. Ouais, la manou classe quoi. Je pense garder cette tenue c'est bien et je leur ai dit qu'il n'y a pas de dress code obligatoire. Non mais pour nous je parle. Non, pour nous cette tenue est très bien non? Oui non mais je ne partirais pas sur une tenue de soirée. Enfin un peu plus ouais, tenue de soirée. Si, on va t'en sortir les tenues de soirée. Genre celle qu'on a, la tenue hiver mais sans le manteau par exemple. Les tenues de braquage. Ah ouais, du braquage, let's go. Ah, peut-être pas avec les chemises noires, mais ouais, potentiellement la même en chemise blanche ou je sais pas. Et si une soirée vaut mieux avoir moi, une soirée pense... qu'une tenue tous les jours, en fait, je sais pas. Bah, moi je pense tout le contraire. C'est vaut mieux pas se prendre la tête. Comme on est, c'est très bien aussi. Hein. Comme on est, c'est très bien. Et justement, si on fait des, si on en fait trop, si éviter la veste, éviter la veste comme un Pablo, mais éviter trop d'armes. À partir d'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on agisse de la manière suivante. On n'est pas forcément armé. Qui est assez abruti pour s'attaquer à nous? Et quelqu'un qui s'attaque à nous, on sort tout ce qu'il faut, on attrape, on tabasse, on s'arrête. Donc l'idée, il n'est pas d'être armé. Ils vont nous attendre aux quatre coins. Ils sont pas débiles. Maintenant, je pense que même vous, de ce que je vois. Vous en avez marre du front. Vous en avez marre des foncer tête baissée, de pas avoir des vies, des... Donc on doit évoluer. Je me trompe dans ce que je dis. J'ai l'impression que Mike ou les autres, vous êtes à bout du... D'y aller tête baissée en mode on tape tout ce qui bougeait. Bah, en faisant ça, au bout d'un moment, ça va me péter la gueule surtout. Oui, c'est ça. Moi, je me demande si c'est pas à cause de ça que ma Windsor part pas, personne n'en veut. Peut-être pas. Honnêtement, ah bah, je sais que ça peut jouer hein, en disant que c'est un véhicule mano, personne ne va le prendre. Oui, après, peut-être que la voiture, c'est la merde. Aussi. D'ailleurs, il y a encore le cabriolet d'ailleurs. C'est groupe 6. Oui, il est toujours aussi cher. Oui, toujours aussi cher, oui. Ils vont pas le baisser, ils veulent pas le baisser, ils font chier. Moi, je lui achète, si il baisse, mais 175 000. Je sais pas, ça doit être à tout de suite. Bon, allez, j'ai fait les maîtres des maisons, c'est génial. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur dame. Bonsoir. Je vous fais visiter les lieux. Oui, eh ben allons-y. L'idée pour demain, c'est une fête d'environ 60, monsieur Parnas me disait, 60 personnes, c'est bien, 80 au maximum. D'accord. Donc il faudrait déjà une personne à l'entrée. D'accord. Au niveau du portail, qui puisse simplement juste faire acte de présence, montrer qu'il y a, voilà, y a quelqu'un de sécurité à cet endroit-là. Ok. Et par la suite, venez, je vais vous montrer où va être placé les invités. Il y aura une liste d'invités ou pas? Non, il n'y a pas de liste. Tout le monde est le bienvenu, juste la sécurité, c'est pour s'assurer que personne ne vienne foutre les troubles. Et donc on préfère prendre des spéciales, donc c'est la spécialité. Donc les gens se gareront à l'intérieur, on les mettra sur la pelouse s'il le faut, c'est pas un souci. On dira, quitte autant remplir. C'est cosy chez vous? C'est petit. Une tiny house. Ouais. Un petit lopin de terre. Ouais, c'est plutôt sympa quand même. Hein. Donc ici, les gens pourront aller venir, c'est pas un souci. D'accord. Et donc, vous pensez, je sais pas si c'est possible pour vous, trois hommes. Trois hommes, c'est faisable, oui, bien sûr. Donc, un au niveau du portail, un au niveau de la fête, et d'accord. un qui fait les rondes peut-être entre le portail et la fête.
D'accord, qui passe au milieu des invités, quoi. Voilà, c'est ça, qui vérifie que tout va bien, peut-être avec la tenue G6. Donc la fête sera juste là-bas. D'accord. Donc au niveau du mur, ça permet aux gens d'accéder à la piscine, il y aura aussi de la musique. Ok. Donc ici, il y aura la partie Black Cat avec la restauration et la musique. Mm-hmm. Et donc les D'accord. invités pourront entrer là, discuter et faire les choses. Donc je pensais peut-être quelqu'un du groupe 6 au niveau peut-être du bout, pour éviter que D'accord. des gens d'un invité rentrent. Maintenant, c'est pas très gravissime. Non, bien évidemment. C'est quoi, c'est ouvert derrière? C'est ouvert, oui. Ok, ça marche. Et bon, on va coûter 3 personnes, 3, effectivement, c'est suffisant. Ça, entrer ici et l'un entre les deux qui se balade au sein de la ville. D'accord. Le devis, on sera à combien, à peu près? C'est de quelle heure à quelle heure, l'événement? 22h30 et 23h. Jusqu'à je sais pas, une heure peut-être, minuit et demi. D'accord, bah on sera pour 3 agents, on sera à 10 500 de l'heure. Mmh. Donc après, bah à partir du moment où ça se termine, on va les compter à ce moment-là, quoi, tout simplement. Bon, faisons ça. Et 10 500 de l'heure par agent. Ouais. Non, 10 500 et 3. Pour les 3 agents. D'accord, ouais. 10 500 et 3. Bah, c'est pas ça. Des soucis pour moi. On est bon. Et... impeccable. Du coup, c'est, okay. demain, vous me dites, ça commence à 22h. Demain, 22h30. Disons que je préfère que vos hommes soient là à 22h30 au même place. Et ouais, je pense que toi, chérie, tu vas au rallye ou pas? Non, au pire, je resterai ici pour mettre tout en place. Allez. Et donc, demain, à partir des 22h30, comme ça, ils se ouais. mettent en place tranquillement. Ils font la reconnaissance ou autre. Et à partir de là, jusqu'à minuit, une heure, je sais pas. Peut-être que ça dure qu'une heure. Ça dépend déjà. Mm-hmm. D'accord. Ok, ils arriveront probablement 10-15 minutes à l'avance, ça dérange pas. Non, ça ne dérange pas. Non, bien sûr. Ouais, temps de discuter, de voir un petit peu comment vous voulez refaire les choses, si vous avez pensé à d'autres choses entre temps. Ils ont des tenues spécifiques ou... On a des tenues, effectivement, costard pour de la sécurisation. Ok, donc, après c'est comme vous préférez, ça ou tenue G6, gilet pare-balles ou non, c'est vous qui non. voulez. Il n'y a non, pas non, des risques majeurs. Pour, c'est... Ouais, non, pas pour une soirée privée, clairement. C'est pas. Juste que je trouve ça plus intéressant d'avoir la sécurité en cas de problème, des gens qui soient accrédités puissent les gérer. Ouais, ça marche, ok. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, moi je m'organise pour qu'on ait donc les 3 agents pour demain soir. Mmh. Et puis je peux communiquer votre numéro de téléphone à la personne qui sera responsable pour la Bien soirée. Bien sûr, directement à moi et celui de ma femme. Communiquez donc. Je suis pas sûr que j'ai le numéro. Ça sera moi qui va être. Est-ce que je peux avoir votre numéro du coup? Parce que c'est vrai que j'ai pas. Vérifier la compta de vos apparts concernant les sacs. Le mien c'est 94-96. Du nom qui a. Vous êtes Madame Collins. D'accord. Et celui de mon mari c'est 39-97. Est-ce que vous pouvez juste me redonner le numéro de téléphone, excusez-moi? 94-96 pour le mien. Ok, ça marche. Et 39-97 pour celui de mon mari. Ouais, ça c'est bon, je l'avais du coup. Que Madame Collins, pas de problème. Ah bah écoutez, c'est noté, il y a Est-ce pas de Est-ce que vous soucis. Avez besoin des. Une avance ou pas du tout? Non, on verra ça à la fin de la soirée, tout simplement. Bon, mais super. Mais câblé. Bon, mais câblé. Écoutez, pour nous, c'est tout bon. Bon, mais super. C'est vraiment joli par chez vous. On essaye. Ça manque un peu d'arbres, mais... Peut-être qu'un jour. Mmh. Après, la fête est ouverte à tous, hein, si vous avez des employés qui veulent venir quand même. Et... Mmh. Pour la fête et qu'ils viennent. Juste, il faudrait peut-être que celui de l'entrée et compte le nombre de personnes. Ouais, d'accord. S'il peut avoir un cliqueur ou je sais pas. Mm-mm. Les véhicules, on est d'accord, seront garés. Il n'y a pas de navette, hein, ils seront garés à l'intérieur. Non, à l'intérieur. Oui. On mettra d'accord. sur la pelouse s'il le faut, on mettra tout le monde à l'intérieur. Ok, donc 80 plus les véhicules. Ah, c'est bon, il est là. Partez plutôt sur 60, vous nous prévenez dès que c'est 60. Ouais. Et voilà. Après, on voit la limite pousser jusqu'à 70. Ça marche. Et après on voit. Ça risque de faire peut-être beaucoup de personnes. On verra. On verra peut-être avec vous, Madame Collins, pour avoir une radio pour vous communiquer des informations si nous avons besoin pendant la soirée. Oui, pas de soucis, on remettra ça en place. Merci Milo. Mais chérie, oui, on les mettra sur la pelouse à l'entrée, tu sais. À droite. Ou... Oui, on peut aussi les mettre sur la pelouse. Je préfère les mettre sur la pelouse à l'entrée plutôt qu'en face. D'accord, oui. Qu'on puisse voir qu'il y a quelqu'un de la sécurité qui est tout fait son fait l'entrée. Les voitures, donc, et, ouais. aussi. Bon, pas de soucis. Bah écoutez, c'est tout bon pour nous. Et ils m'ont fait peur, courant, ces cons là, ils sont mis sur ma pareil. Hein. Pas de soucis, merci à vous et puis à demain. Bonne soirée, à demain. Bon, 10 500 dollars les 3 agents à l'heure.
Ils seront là à partir des 22h30. Et on garera tous les véhicules dedans. On mettra sur la pelouse à l'entrée, au pire des cas, on la refera. Ok. Chérie, je crois que t'as trouvé une vocation organisatrice des soirées. Mais moi, j'ai beaucoup aimé organiser le mariage. Mais c'est pour ça. C'est ça qui est bien. Plus on va mettre ça en place, plus il y aura du monde. Et maintenant, si la question, c'est une journée. Bon, en journée, c'est plus compliqué. J'ai mis la voiture devant et j'ai dit aux Waves qu'ils pouvaient rentrer maintenant, quand il y avait la voiture, sans demander. Comment on peut faire qu'ici, il y ait toujours du gens qui passaient en journée, en soirée? Comment la journée, transformer c'est plus complexe. Ici ouais. Une plateforme ouais. En queue de gare, quoi. Il faut absolument que ça... Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui vont, qui viennent... En fait, il faut... ça ne nous empêche pas, nous, de bouger. Mais même en journée, on est toujours... Là, c'est un peu plus calme en ce moment, Mike. Vous êtes combien en journée l'après-midi? 3, 4? Ouais. Ouais, ça dépend, mais généralement... On était pas mal. Enfin, il y a tout le temps quelqu'un ici, donc en soi, ça peut venir... sans problème, hein. Quelqu'un ici pour les vagues de toute façon, donc ouais. Qu'est-ce qu'on peut, ou alors on déclare tous une autre entreprise? Ouais, bah alors pour ça, déjà faut que je me renseigne parce que c'est un flou juridique pas possible. En fait, ce que je me dis, c'est que est-ce qu'on peut pas proposer quelque chose qui plairait à tout le monde? Proposer quoi déjà? Bah, par exemple, pour tout ce qui va concerner Hannibal et Jim, ça peut être l'entreprise de conseil automobile, par exemple. Ou de recherche de véhicules. En fait, ouais. Il faut trouver quelque chose qui pousse les gens à venir à nous. On peut faire des tombolettes de temps en temps et faire gagner des véhicules. Il faut absolument que tous les deux fois par semaine, il se passe quelque chose. Une fois en semaine, une fois le week-end. Soirée, on s'en fout, c'est la caisse noire qui va payer. Soirée et concours, et il faut qu'à chaque fois, il faut maximiser le nombre des gens qui viennent. Là, j'ai balancé 15 invitations, je t'avouerai. Bah, t'as les concerts, on peut faire les concerts le week-end, genre. Un peu comme les concerts, t'as les gens qui font les concerts? Ouais, Nico oui. Zimmerman. Ouais. Pas... ouais, je l'ai invité déjà pour demain soir. Il y a faut, Kenny aussi. Il Kenny, faut faire ouais. Attention qu'en fait, il faut trouver quelque chose où les gens viennent. Mais qu'on fait pas, tu vois, il faut pas que les Bénis ou les Black Cat nous disent vous nous niquez notre business. Donc il faut réfléchir comment en journée tu veux faire conseil automobile, dépôt vente et zombie car, mais conseil automobile par contre ça peut se faire. Je viens d'inviter le SHMS à venir. Ou par exemple, invitez sais tout que... ce que vous voulez donner. C'est bien un souci, il faut qu'il y ait du monde. Notamment, Mike, Milo et Hannibal adorent faire des custos. Proposer des conseils de custos aussi. Il y a plein de choses niveau automobile à faire. L'automobile, en ce moment, c'est le nerf de la guerre en ville, de toute façon. Ouais, mais des conseils de custos, enfin... On pourrait pas enfin, faire... C'est personnel, t'as une custo de voiture. Je vois pas un mec venir nous voir dire... J'aimerais des conseils pour la couleur de ma voiture. Mais pourquoi pas, imaginons, il arrive, ouais, j'aimerais bien avoir une voiture jaune, comment on l'a fait? Quand j'étais au Bénise, il y a des gens qui attendaient l'esprit que je sois là pour faire la custo. Donc il y a moyen que... Parce que c'est toi, Jade. Et si on sert d'intermédiaire pour les gens qui veulent tester un véhicule? Je pense qu'avec tous les contacts qu'on a, si les gens nous demandent par exemple, ils disent aussi. J'aimerais bien essayer tes véhicules. Il faut vous trouver quelque chose qui ne nous oblige pas à courir. Trop compliqué. Ouais. Si on doit appeler un mec qui nous livre une voiture pour dire à un mec des repassés, là il va falloir une agenda. Je vous rappelle qu'on a quand même une criminalité à faire fonctionner, non? Donc il faut quelque chose qu'on puisse faire rapidement et qui pousse les gens à venir. À part Mike tout nu. Mais il est marié, hein, je te rappelle. Mike tout nu, marié avec sa femme, qui décide de faire de l'échangisme. Oui, bah voilà, c'est un club échangiste en fait, dans le trou. J'ai vu le trou d'ailleurs. Non. Pardon. Oui, on a été visiter le trou. Oui, très bien, on en est là. Mike fait de l'échangisme, il amène sa femme. Moi j'ai décidé, j'échange pas ma femme. Mais non, mais il n'y a pas que Mike, il y avait Alan et Chris aussi. Le problème, c'est que faire du... comment ça s'appelle? Casino clandestin, on va se faire choper. Oui, ça oui. Non, mais l'idée de la bouffe pour la série, c'est pas mal. Ça avait fait venir mais ici. Mais tu vas pas avoir quelqu'un tout le temps ici. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Casino, pour des jeux d'argent, est-ce que, vu qu'on est sur une propriété privée, il n'y a pas un vice? Tu vas en bétonner, Pablo. Parce qu'on peut en mettre que 20 dans le Sun King.
Attends, elle demandait quoi, Jade, là? Attends, je crois que... Attends. Tu veux d'autres véhicules? Non, je veux des bras. Il faut qu'on réfléchisse à quelque chose qui fait venir les gens non-stop. On va trouver. Regarde, le manoir immobilier, ça s'est bien fait sur un coup de tête un soir. Acheter des raquettes de tennis. Ce serait tellement stylé si on pouvait jouer au tennis. Il y a la piscine ou tu vois, il y a plein de choses. On dirait qu'il y a des tapis de yoga derrière, on fait des séances de yoga aussi. Hein. Après, à voir, c'est qu'une autre entreprise, c'est pas possible, les paris. J'aurais bien proposé location des véhicules, mais. Oui, j'y ai songé, mais trop compliqué. Et trop dangereux, surtout. Même si tu mets une caution. Si tu le pètes, tu l'as plus. Même si tu le rembourses. Non, mais on va trouver. Ça se fera pas en deux jours, mais on va. Il y a bien un truc à faire ici pour avoir constamment du monde. Oui, on va trouver. J'aime bien le. Le caritatif, c'est pas mal. J'ai regardé pour créer une asso. Comment faire et tout ça. Tu veux pas qu'on leur donne tout ça sans asso? C'est pas du détournement de fonds ou autre. Bah, tu décides d'avoir de la bouffe et de l'offrir à des gens, non? Ah, la bouffe, non. Moi, je crois que tu parlais de soirée caritative où, par exemple, tu fais payer l'entrée et ensuite toute la somme d'argent va à tel ou tel truc. Non, non, faudrait que. Ça serait bien d'ailleurs qu'on envisage une soirée caritative pour la police. Bah là, s'il y a de l'argent qui va bouger, par contre, faut une asso. Président et trésorier, casier vierge. À une période, il y avait les combats au vignoble. Justement, les vagues, ouais, vous l'organisez. C'est pas les verts, ça. Les vagues, vous l'organisez un, après, et en gros, faire, qu'on en trouve un MMS. Non, ma question, elle est là, ma question. Ouais, elle est... Qu'est-ce qu'on peut faire dans le sens où. Une petite arène. Où, à un moment donné, les autres le font pas. Qu'est-ce qui permet. Les gens viennent nous voir, nous, plutôt que d'autres. Le terrain de tennis, faut l'utiliser. Ouais, mais comment. Engage. Bah, on y est pensé en ring. Ouais, carrément. T'as fait un gros ring ou du 1 contre 1, ils se débrouillent, ça leur fait un terrain de jeu. Carrément. Mais il faut que ça soit ça en mode des box, c'est pas en mode des. C'est pas. Tu vois. Il faut que ça soit encadré. J'arrive, je finis ma discussion avec Chris. Vas-y. Donc, forcément, UMS. Oui, bien sûr. Avec et peut-être même G6. Tu veux de la sécu. Si, tu sais, une fois par semaine, les combats de boxe. Pour récurrent, je pense. Il faut quelque chose de récurrent. Je veux juste faire une soirée mondaine où les gens viennent boire et manger. Hein. En fait, il faudrait que toutes les semaines, une soirée boxe, boxe fête. Il faut qu'on arrive à trouver, tu vois, un truc qui permet d'utiliser aussi le lieu, qui permet des, tu vois. On a le truc de yoga derrière aussi. Si tu changes toutes les semaines, tu pousses pas les gens à venir ici. Ah mais j'ai peur que toutes les semaines soient trop récurrent justement. Et que les gens s'enlacent. Bah si tu fais des combats de boxe toutes les semaines tu peux faire un challenger contre le champion de la semaine précédente. Les criminels vont s'enlacer mais les civils non. Je sais pas. À chaque fois qu'il y a eu des événements, c'est que les criminels d'invités. Je sais pas si un combat de boxe, les civils apprécieront, je sais pas. Réfléchissons. Voyons déjà demain la soirée. Et à partir de là, et... Je tiens à rappeler du coup qu'on est limité de 60 à 70. Si vous avez des personnes à faire passer en priorité, faites-les passer à 22h30. Notamment pour ton plus simple, Pablo, 22h30, comme qui ça, passe en priorité. Qui c'est qui court demain? Pour Jim. Pour la soirée, Pablo. Alan, Mike, final du rival. Ok. Non, Mike, il a dit, il faisait pas. Non, Mike, il fait pas. Non, il fait pas, Mike. Il a peur de passer sur le temps. Donc, on est trois. Non, mais qu'on sache qu'on a récupéré trois places. Hein. Là, je trouve ça dommage. J'aime bien l'idée du club de boxe. Et il faut prendre en compte aussi le top 10. En fait. Le Mano Club. J'aime bien les clubs de boxe, les Mano Club. Parce qu'en fait, n'importe qui peut venir s'entraîner ici à n'importe quelle heure sur le terrain de tennis. Il faut qu'il y ait un EMS qui soit là. Et oui, il vient d'avoir une putain de journée. On a toujours un.
pour demain soir, il faudrait inviter Arkel et Catardo. J'y ai pensé, ça veut dire qu'on leur, on les invite avant qu'ils soient potentiellement élus, ça nous mettrait vachement bien. J'y ai pensé, il faut se trouver une Catardo. Ah, mais ça, demain soir, on peut pas, Pablo, ça. C'est quoi la radio, déjà? Laquelle? La nôtre. 472. Alors, je sais pas encore si je serai là demain. Catardo et répond pas, Arkel non plus. Non, putain, moi, j'aurais su qu'on organisait ça, on les a croisés au vignoble hier soir, je crois. Qui vous avez invité qui pour l'instant, sachez Messi? Pour le moment, bah, y a, toi, t'as le Speedy, BCSO. Jade a fait passer le mot à Chim pour le Bénise. Faudrait voir. C'est pour normal, le Bénise est co-organisateur, entre guillemets. Bah, j'ai potentiellement la patronne du Weasel qui viendra, c'est mon plus-un. Okay. Moi, j'ai invité Dr. Deacon, Rita Max. Voir pour le top 10 aussi, ce serait logique d'inviter le top 10 du rallye, ceux qui vont concourir demain à la finale. Putain, il fallait que j'ai chopé Taylor, mais il est quoi en prison lui? Chier. Et après, je sais pas qui vous avez invité. Il y a Papy qui est invité aussi. J'ai invité Papy déjà. Il faut, bah, il faut, je préfère invité. Qu'on refuse du monde plutôt que tu vois. Mm-hmm. Ouais. Il faut que donc vous invitez tout le monde, invitez tous ceux que vous pouvez. Ah. Et maintenant, on peut faire une annonce aux elles carrément. De toute façon, je serai en radio avec G6, donc il faut faire en temps et en heure combien il y a de personnes. Pas le souci, c'est que du coup, tu convies automatiquement les groupes criminels. Et je m'en fous qu'il y ait des groupes criminels maintenant. Il me faut, je préférais qu'il y ait des civils. Donc l'annonce Weasel, on verra demain avec ton plus 1 quand elle est là. Pour l'instant, j'ai invité SHMS, EMS, Zombie, La Ferme, Bénise, Weasel News. Et je viens de voir ton message, mais ok, ça marche. La Ferme, Weasel. Human Labs aussi, j'ai invité un peu. Justement, j'ai essayé d'avoir Monsieur Hunter, j'ai pas eu. J'ai invité Carmen. Les Waze vont sûrement entrer en guerre avec les Aztecas. Ok. Pour quelle raison? Pour récupérer le bis des syndicats après, parce que les Aztecas sont sur le bis des syndicats pour le moment. Les syndicats, il faut qu'ils tapent, c'est pas les Aztecas. Je te laisse faire. Ils veulent empêcher les Aztecas de taper aussi sur les syndicats. Oui, mais si les Aztecas tapent les syndicats et que les Waves attaquent les Aztecas, techniquement ça prouve pas que les Waves veulent le bis des syndicats. Ah, mais ça en prouve fait, juste qu'ils veulent taper les Aztecas. Il va y avoir un conflit, donc s'ils vont se retrouver tous les deux dans le même quartier, ils vont forcément se taper dessus. Oui, mais au moins les deux attaquent celui qui a le bis. Ouais, mais t'as entendu Nia comme moi, il a dit qu'ils étaient déjà morts les syndicats. Donc il n'y a plus personne à attaquer. Mais pour prouver que t'as besoin de ce bise et que tu le veux, faut bien que tu fasses une offensive, même s'il n'y a plus personne dans le quartier. Ouais, mais ils vont être deux à faire l'offensive sur un quartier vide, donc ils vont se taper dessus. C'est là où il y a tout intérêt. Bah oui, c'est bien ce que j'ai, mais du coup ils vont rentrer en guerre les deux. Non, mais c'est sur le terrain des syndicats qu'il faut qu'ils partent en guerre. Pas chez les Aztecas ou chez les Waves. Ils vont se faire la guerre, mais sur le terrain des syndicats, oui. Ok. Zombicar, ça a été invité, Jim? Ouais, j'ai au moins invité 3 ou 4 personnes, okay. Du zombie. Bon. Dans l'idée, vous continuez les invitations demain. Demain, on se rejoint et on commence. La moitié iront au rallye, l'autre moitié commencera à préparer la fête. Il faudra qu'on ait du personnel qui s'occupe d'égarer les gens. On commence par les garer en face. Puis après, on commence sur la pelouse à droite. Ça on les met dedans plutôt que dehors, comme ça au moins ils sont sécurisés. Yes. On les fait garer tout le long du mur, non, du portail. Je préfère que les gens, on leur disait, je suis désolé, c'est complet, c'est pas possible. En soi, je bosse pour le parking, on a toute la zone derrière qu'on n'exploite jamais. Hein. Oui, oui, vous les garez là où vous pouvez, on peut, bah, allons voir. Mais je préfère que disent, et désolé, c'est complet, et que les gens aient envie de revenir. Tu vois, tu as tout là aussi. Après, c'est vrai que tu peux les mettre là-bas. Il faut qu'il y ait des voitures tout là-bas. Tout le long du mur, là, en fait. Bon, par contre, si jamais ça sonne à vos appartes, faut vérifier qui sonne, qui y entre. Hein. Bah, personne rentre. C'est ça. De toute façon, je l'annonce radio quand on sonne, donc... Tu les mets tout du long depuis là-bas? Ah bah là, on a un parking, on peut même faire même manger. Là et même ici en face, en fait, de ligne. Il faut commencer d'abord par là-bas. Il faut que ça soit visible, d'accord? Que ça fasse parking. Une fois que c'est fait, vous le garez là. Non, ça marche, oui. Ouais. Limite, on garde les plus belles voitures là-bas. C'est ça. Non mais c'est pas une connerie, c'est une voiture de merde, ça dégage là-bas. Caché, belle voiture devant.
plus c'est joli, faites-moi de la place ici. Si c'est joli, vous le foutez un double fil, je m'en fous. Ouais, d'accord. Au pire, on le met tout au long, comme nous, on se gare là, en fait, comme l'appareil à garer, en c'est fait. C'est ça, allez. Et il faut vraiment qu'on réfléchisse. Demain, on fait ces soirées, et après, il faut qu'on voit une façon de faire ça au quotidien. Alors, il y a déjà ceux qu'on pourrait aider de la série, les autres travailleurs, mais il faut qu'on trouve quelque chose qui pousse les gens à venir. Donc, réfléchissez tous ce qu'on pourrait faire qui est simple, efficace. Bah demain après-midi, il pourrait déjà y avoir un groupe qui va à la Syrie pour balancer quelques invites. Oui. Je pense que je vais y faire un tour vite fait. Dire de passer. De ça, et d'espoir, c'est en indiquant tout le monde que quand ils viennent ici, les Lamano, c'est pas. Voilà. Nous, tant qu'il y a du respect ici, il n'y a pas de problème, tout le monde est bienvenu chez nous. Maintenant, il faut, dès qu'il y a un véhicule devant, c'est qu'ils peuvent rentrer. Allez ? Yes. Et ça, et l'espoir, c'est. Et il faut qu'on réfléchisse à un club de boxe ou un club de quelque chose qui nous permette d'organiser toutes les semaines quelque chose. Et c'est vrai que l'espèce des cages qui fait terrain de tennis, c'est pas con. Ouais, carrément. Ah, j'aime bien l'idée du club de boxe. Après, techniquement, il devrait pas prendre trop tard. C'est juste le mec, tu le fous KO, quoi. Il sera sonné pendant 30 minutes et puis voilà. Faut penser aux ITT, ouais. Je vous demande, j'appelle H. Après, il n'est pas obligé de faire KO. Hein. Si le mec, sinon, les gens viendront pas. S'il hein. sent qu'il va tomber KO, il peut dire c'est bon, t'as gagné. Enfin, il peut. Ouais. Les web, vous voulez organiser déjà un pool fight dans la semaine? Oui, mais je vous emmerde. Ouais, clairement. Ils font ce qu'on dit. Mais je pensais chaque semaine, tu fais un nouveau challenger qui est champion de la semaine d'avant. Je vous appelle pour une question médicale. Et tu peux organiser une soirée autour de ça. Imaginons que je monte un club de boxe. Un club de boxe, oui. Imaginons, et j'ai une jolie terrain de tennis qui fait très cash du UFC. Oui. Imaginons que toutes les semaines, des gens s'affrontent et souvent les matchs se terminent par des KO. Okay. Comment ça fonctionnerait avec vous? Est-ce que c'est les gens qu'on peut remettre relativement rapidement? Est-ce qu'ils peuvent enchaîner les matchs? Comment, si c'est un match déclaré, avec association et... Alors, voilà, c'est la question. Tout dépend en fait de l'état de santé du combattant à la fin. Et malheureusement, un match de boxe se termine toujours par un KO. Alors si c'est sur un KO, il pourra pas reboxer tout de suite. Même si nous avons une association, une accréditation, une... C'est une simple question. Oui, non, je réfléchis après, à ça. Après, ça peut être intéressant d'avoir qu'un seul match à chaque fois, c'est-à-dire que quelqu'un qui est KO et... Si. Allez. Et on en reparle demain soir? On en reparle demain soir. Je me renseigne et comme ça, j'aurai une réponse demain soir. Merci beaucoup. Bon, H, il dit que quelqu'un qui est KO peut pas recombattre. Ah. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est pas plus mal que de dire que dans les matchs, c'est des matchs des poules toutes les semaines, ou des matchs des qui peut combattre mon champion, et qu'à chaque fois, c'est une personne qui reste champion, et plus il reste champion, plus il a la ceinture. Ouais, bah oui. Donc quand t'es KO, t'es KO, tu retentes ta chance la semaine d'après, ou la semaine encore après, et quelqu'un qui est pas KO se fait soigner, peut continuer. Ouais, soir, faudrait faire une espèce de tournoi pour désigner après, champion. C'était pas censé être un truc où qui attise du monde toute la journée? Non, mais là, que le soir, il faut. Ça, les trucs de boxe, une fois par semaine. Ok. Oui, le temps s'en remettre. Faut mettre des règles aussi, genre pas le droit de courir. Oui, bah ça. Ouais, on verra ça en temps et en heure, ça, mais ouais, carrément. Pas sauter, pas courir tout ça. Faut qu'on réfléchisse à des trucs, là. Ouais. Faut réfléchir à tout ça. Les médecins reviennent vers nous. Ok. 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 Là, l'objectif, c'est commencer les caritatifs auprès des. Syrie. À Syrie. Et la soirée demain soir. Entre temps, je veux absolument que vous me cherchiez les deux autres. Celui et Oli. Mm-hmm. Je l'ai. Si je ne suis pas là que vous l'avez, vous le tuez. Ça marche. Okay. Et le deuxième, Hachi aussi. Je veux qu'on essaye d'activer un peu ce qu'on a à la police et autres. Et qu'on puisse savoir rapidement son nom et comment on peut le trouver. Allez, ça marche. Allez hop, je vais me coucher comme un papy, petit suppôt et au lit. Les enfants. Bonne nuit, monsieur Millet. Bonne nuit, Ah, vous attendez pour la claque sur le cul. Soupe. J'arrive. Nickel, allez. Papy va se faire claquer le cul et au lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais faire un petit tour zombie, moi. Voilà, c'est vrai, Kim. Bonne nuit, tout le monde, à demain. Si.
Si vous avez un doute pour la soirée, vous avez toutes les infos sur l'intranet. Si j'oubliais quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, je le modifierai. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne soirée de RP. La suite, ça sera demain avec l'histoire de la soirée. J'aime beaucoup cette histoire de... On fait plein de trucs à la fois et c'est ça qui est cool. Voilà, c'est ça qui est cool, c'est ça qu'on veut. Voilà. Maintenant, mesdames et messieurs, merci à vous. Box into Paris, ah, c'est dans ma tête déjà. La mafia est en route. Bonne nuit, on va voir ce qu'on peut faire. J'espère en tout cas que vous kiffez toujours autant Miguel et ses aventures. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, mesdames et messieurs. Bonne nuit. Je suis d'accord avec vous. Faites attention à vous. Et à demain. Salut. Ah, j'ai pas su ce que t'as dit. Let's fall.